manger à côté, puis après je suis avec vous. C'est cool. Peut-être faire le quinté ensemble quand même. C'est la première course, c'est pour le snapper. Qui est un outsider avant le coup, la tâche est un peu plus rude ici. Je viens de jouer de malchance. On regarde donc les pouliches se préparer du côté des écuries. Le temps pour nous de regarder une course de référence. Elle concerne Andama, le numéro 10 qui vient de terminer 3e à Vincennes. Vous en parliez. Pour vous, Frédéric, elle a bien couru ce jour-là. Andama, oui, a très bien couru parce qu'elle s'est retrouvée à deux. Alors, c'est pas Vincennes. Ah non, Vichy. C'était à Vichy ici. Voilà. Bah, c'était, une rentrée, c'était une rentrée pour elle. Elle a quand même très bien gagné, je trouve. Elle n'était pas déférée des quatre pieds, elle était plaquée aux antérieurs et déférée des postérieurs. Elle battait Oupetros qui devait lui rendre la distance, mais qu'elle domine quand même confortablement. Il n'y avait pas 25 mètres à l'arrivée, mais elle gagnait bien. Et ensuite, sa course de Vincennes était bonne parce qu'elle a dû faire un effort dans la descente, un peu contrée, à donner au vent. Et je trouve qu'elle a été accrocheuse jusqu'au bout après avoir eu un petit coup de pompe dans la partie montante. Jument courageuse, donc, hein, qui est plus faite hein, en diesel hein, que... Ouais. Que sur la vitesse. Oui, ouais, j'ai l'impression. Puis elle a peu couru hein, comparé aux autres. Andama, donc timide favorite, hein, car deux juments sont également très en vue et très près d'elle au betting. C'est Harmonie du Noyer, numéro 1, 4,20€, et le 6, High Energy, qui est proposé à 5,20€. On a ici Stéphane Bourlier qui entre en piste avec Harmonie la Nuit, numéro 9. On va l'écouter. Il a tout à l'heure livré son impression à Olivier. Harmonie la Nuit dans la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? C'est foutu de moi, tout simplement. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, elle va se rappeler ses bons souvenirs et pas sa dernière course. Voilà. Vous y comptez? Ah, c'est, si je suis 3, 4, 5, je vais être content. Gagner, ça va être compliqué, je pense. Ouais, il espère une réhabilitation, on l'aura compris, Stéphane Bourlier, plutôt pour une place que pour la plus haute marche du podium. Elle aura contre elle de partir sur la deuxième ligne à la corde. Regardez ça. Elle aura pour elle sa tenue et puis tout simplement c'est sa qualité intrinsèque. Hein. C'est une jument qui évolue dans sa catégorie aujourd'hui. Exactement, elle évolue dans sa catégorie. Je fais un partage. Elle part en deuxième ligne. La catégorie est un peu plus haute que lorsqu'elle avait gagné ici. Hein. C'est logique, elle a 24 000 €, elle ne court pas 38. Pas hors d'affaire pour une place. Je fais un partage. Je suis d'accord avec son driver, plutôt 3, 4, 5. Partage. Olivier. Oui, il y a Alexandre Abriard qui arrive, on va lui demander un mot concernant sa pouliche High Energy. Qui reste sur une victoire, un problème, à droite. On va y avoir un problème. Alexandre, est-ce pas. Que vous la croyez capable de répéter son récent succès? Bon, oui, c'est une bonne course. C'est toujours à rendre la distance, elle l'a bien fait. Alors en mesure de. De nouveau déférer des 4 pieds en plus, ça a eu son effet. Bah ouais, elle a gagné comme ça l'autre jour, donc on recommence. Merci beaucoup.
À Énergie, en effet, qui a été déféré les quatre pieds pour la première fois le jour de sa victoire à Argentan. Je l'ai trouvé plaisante tout à l'heure au 8. Hein. Ouais, t'es pas mal. Frédéric, t'es pas mal du tout. Ouais. S'est déplacé bien, avec facilité. Sur les plombes d'Argentan, elle rendait 25 mètres. Hein. Oui, mais je trouve que Léo Abrevard avait quand même bien joué le coup. Il était venu devant et ensuite il avait un peu arrêté le peloton. Et elle avait bien redémarré. Il avait bien géré l'effort devant. Bon, elle est pas au-dessus de la mêlée, elle est dans sa catégorie. Vous allez me dire, elles ont toutes un peu le même profil hein, dans cette épreuve. Donc elle a les moyens peut-être de doubler la mise. Voilà, faudra mettre Ndama, je pense, quand même. Voilà, il dit du Yuka qui était parti sur une faute à Toulouse le 23 juin, qui néanmoins est revenu s'imposer. Elle a quand même pas mal gagné hein, l'autre jour. Je m'en méfie, à 14 euros, je trouve que c'est un bon outsider. Parce qu'elle a battu facilement Happy Marancourt, qu'elle retrouve et qui est plus joué qu'elle. Olivier, on vous écoute. Oui, je vais vous parler d'Harmonie du Noyer, le numéro 1. Alors avec ce numéro 1 derrière la voiture... Il y a des problèmes de son, pas seulement pour Equidia, apparemment. Et ensuite, elle est capable de suivre le rythme et de venir bien finir et confirmer hein, ses bonnes dispositions. Elle reste sur plusieurs performances intéressantes avec Anthony Barrier. Là, c'est Mathieu Abrivard. Donc, c'est même pas mon retour micro. Pour l'avoir bien courir. Et puis, Antonin Honoré... Qui ah oui, c'est parce qu'il n'y a plus la vidéo. Ah oui, bah oui, c'est bon. Je suis branché avec mon téléphone pour le retour, mais je suis en train de faire les partages. Alors, je ne vais pas avoir le retour, oui, effectivement. Attendez, j'arrive. Ah là là. On croirait, mais non. On va avoir 50 portables, pour, un pour le retour, un pour les partages, un autre pour gérer le stream. Et quoi ce sou? Regardez, ça arrive en 7 mois, ça part dans 2 minutes, j'aurai pas le temps de le faire. Je n'ai pas mangé. Je vais aller manger à côté. Et je ferai le reste des courses un petit peu. On fera 2h, 3h ensemble. On est le 06-07-2021. J'ai expliqué, hein, j'ai envoyé un message pour mes possibles arrivées. Dans les courses, possible d'arriver de numéro dans les courses aujourd'hui, globalement, hein, sur toutes les courses. Je vois le dernier ou l'avant-dernier du nombre de partants de chaque course, ou le premier ou le deuxième, en 2 sur 4, premier ou deuxième et avant-dernier ou dernier, en 2 sur 4. Possible d'arriver des chiffres. C'est pas facile à expliquer comme ça, les gars, mais bon. C'est le jeu. Hein. Je crois que le jeu, c'est pas le PMU, c'est l'explication des méthodes. Il faut être intelligent pour expliquer sa méthode de. Comment tu trouves tes numéros quoi. Je pense que c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer ça, suivez-moi en course, en live, je vais vous montrer ça, comment ça se passe. Alors, évidemment, là, sur, moi je suis sur Facebook normalement, mais bon, il y a des gros problèmes sur Facebook, tout le monde est bloqué de partout. Bon, c'est parti, hein, c'est trop tard. De toute façon, je vais aller grignoter un petit peu à côté, puis je reviens. Je vous laisse la vidéo quand même. Attends, je vais aller voir le retour. Hop. Je vais surveiller le retour quand même, si ça se passe bien, si la vidéo se passe bien. Il y a un petit couac là concernant Petrose, le numéro 3, qui est annoncé plaqué intérieur et déféré des postérieurs. Ouais.
et il semblerait qu'elle soit en fait déférée des 4. Donc, je m'adapte à Twitch. Hein. Facebook, je connais un peu, mais Twitch, je pense que les termes ils changent et puis ça me déséquilibre, mais ça doit être un peu pareil, mais bon. Alors, là on a de la charrette. On prend l'auto smartphone. Donc elle est annoncée, Olivier de Préla. J'ai obligé de regarder aussi le. C'est ça. Comment la hauteur du son des Kidia, et ils sont toujours en train de changer leur hauteur de son pour pas qu'on live. Pourquoi? Alors, quel est le verdict? Ouais, je pense qu'il va retourner aux écuries, ils vont faire ça rapidement. Ça serait des 4, hein. On va perdre du temps. Attends, regardez. Ouais, bah, je vais regarder avec ça. Non, c'est partant. C'est de la charrette. Attends, oui, je vais regarder. Et là, j'ai tout ça, les chevaux. C'est bien de l'avoir vu parce que. Ah, mais je l'ai pas calmé là. J'ai bien PMU. Question PMU, mon ami. Et où, mon ami? Retour au stand, donc, pour Opet Rose. Ouais. Oh, c'est bizarre, ça. On a appelé à la rescousse Arnaud Godin, le maréchal de service. Ça a changé le... Ils ont changé leur logo, tiens. Ils ont changé leur application. Il y aura un gros renouvellement, même pour Facebook, je pense. C'est pour ça qu'on est bloqué de partout, là. Je vais aller bien sûr. On l'annonce en partant, Olivier. C'est ça, c'est que du coup. Le timing est trop juste. C'est ça. Il y avait les deux possibilités. Ça me paraissait un petit peu juste. R1, C3. Un gros renouvellement dans les applications. Ils ont pris cher. Avec nos billets pendant le confinement. On a droit de l'autostart. Enfin, nos billets, je veux dire. Ils s'en ont mis plein les poches, hein, les riches, hein, pendant le confinement. Donc, ils en profitent pour, à la fin, changer un petit peu d'application. Après, on aura sûrement une couche encore de virus. Pour bien nous traiter comme de la merde, et après, et pour les survivants, ils auront une belle vie, mais un beau départ, quoi. Et des pouliches de 4 ans, en n'ayant pas 38 000, départ à l'autostart, 35, et des femelles. Les femelles, on va avoir des belles cotes. Des quoi, des. 2800 mètres, c'est une longue distance, hein, des 4 ans. Normalement, 2000 mètres, on a plus du. À 7,4, non? Non, c'est 2000 mètres à 7,4 et 3000 mètres, 8,35. 8,35, effectivement, c'est pas vraiment. R1, c'est de l'autostart, j'aime bien mettre. Deux chiffres ensemble. Il faut, Je crois qu'il va falloir de la chance pour encore éclater. On est le 06-07-2021. 2021, on prend le. Donc Mathieu Abrivard, hein, poursuit gentiment un petit canter là, avec Harmonie du Noyer. Le temps que Petrose revienne en piste. Ça va, ça se gamelle là, à Vichy, ça se gamelle. Là. Je pense que ça s'est gamellé l'autre fois à Vichy, un autre jour. Il y a eu de la gamelle à Vichy. Regardez les résultats. Ça peut arriver, bien sûr. Il suffit de. Voilà, de tour de riz dans R1, C2, ça s'est gamellé ou pas? On pensant instinctivement que la jument est déférée. C'est peut-être ce qui a dû se passer.
Non, je crois plus que, en fait, Guillaume Huguet voulait, hein, d'ailleurs, on regarde les dernières performances de la Pouliche, je voulais la présenter déférée des quatre pieds. Et il s'est... Ouais, il y a Vichy, ça se gamelle. Bon. Voilà, la déclaration... Des arrivées assez riches. Avec la nouvelle application, on peine à... Ça passe par un outil informatique. Hein, exactement. On doit cocher, effectivement, plaquer, déférer. Ça va être encore un bordel pour se faire une nouvelle application. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Mais là, c'est bon. On peut prendre le... On peut prendre le 6 ou le 9. Pas très loin de la pouliche. Une petite plaque floue. Les louper, hein, lors de son entrée en piste. Les deux plus petites cotes sont rassurantes aujourd'hui. Hein. Le 6 et le 10 sont rassurants aujourd'hui. On part du 10 pour faire 11 partants. Petrose qui va donc revenir en piste. On peut faire 21 moins 10 et 21, c'est fois 3, 18 plus 7, 13, 6, 8, 14. 6-8-10, 6-8-10, 6-8-10-As, c'est pas mal, en 2 sur 4. Après ça se gamelle, alors j'aimerais faire ça autrement. Ça veut dire quoi, 8-10, 8-10? Et messieurs d'ailleurs, troisième favori, et non baroque le 7. Jean Vray, sur les fautes que l'on reposera. Royal, mais pas du tout inquiété ni le driver Eric Raffin ni c'est déjà une bonne chose. Peter Marie, donc bon, on les aura à notre micro, enfin surtout l'entraîneur, mais là j'en parlais il y a quelques instants avec Eric Raffin. Il on est le 6-07-2021. Allez, ça va être bon pour Oupet Rose. En 2 sur 4, 7, 8, 9, 7, 8, 10, en 2 sur 4, c'est pas mal. 7, 8, 9, 10, 7, 8, 10, en 2 sur 4, c'est pas mal. 7, 8, 9, 10. Je sais pas s'il faut compter sur le favori. Là, dans les numéros, dans les cotes là, qui est en live, on voit beaucoup de 5, 6, 7, 2, 7, 2, 6. Vous avez une petite préférée dans cette course, Sébastien? Ouais, c'est ça, 8, 10 et 2, 6. 4, 6, 2, 6. 6, 2, 4. 6, 2, 4, as alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des femelles. Je sais pas. 6, 8, 10, 6, 8, 10, ça veut dire quoi, 6, 8, 10? Avec le 6, 8, 10, ça veut dire quoi? Il y a 2 et 4? 8, 10, c'est 2, 6, c'est 2, 5, 2, 6? 8, 10, c'est 2, 6, c'est 2, 5, 2, 6? Votre préférence, vous, Olivier, dans cette course? C'est 6, As, 6, As, 2, 6, As, 2. J'étais plutôt à Andama. Ouais, moi aussi, je suis plus en... Et là, c'est 3, 6, As, 2, 3. Ou 6, As, 2, 6, As, 2, 5. C'est pas mal, 6, As, 2, 5. 6-6-2-4-5. Pas mal, 6-6-2-4-5. Et on se partant. Ah, mais ça, c'est pas le quinté, ça. Non, il est pas bon. Il voit aucune chance. Il a dit, j'ai rien à voir. C'est ça. Non, par contre, moi, je suis. Vous êtes dans le camp des favoris, vous, je crois. Ah, ouais, alors pourtant, pas par. Bon, on est mardi, là. Le fait que j'ai intégré l'équipe d'Arnaud Godin, donc Maréchal Ferrand. Ah, c'est RAC4. Merde. Bah attendez, je vais grignoter à côté. 6-6-2-5, 6-6-2-4, 6-6-4-5-6, 6-4-5-6, 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 6-4-
qui va rejoindre ses petites camarades. 3,10€ pour iEnergy, le numéro 6, 3,90€ pour Endama, le 10. Ensuite, c'est Harmonie de Noyer à 5,60€. Et c'est Oupetros, justement, à la cote de 8,90€. Ce sont les 4 sous la barre des 10. Ce qui paraît d'ailleurs assez logique par rapport au dernier résultat. Allez, ils arrivent derrière la voiture, elles se rangent. Star accélère et va libérer les 11 concurrentes de cette troisième épreuve. On est au galop avec le numéro 2. Le numéro 2, Havane de Chenu, qui ne fait pas les affaires du numéro 10, Endama. On est bien parti avec le numéro 5, Herbefol, qui est parti vite, mais qui est au galop. Énergie, la favorite, est très bien partie. Elle est déjà au commandement avec également en bonne place le numéro 1, Harmonie du Noyer. Le numéro 8, Haute-Sphère, qui s'est très bien élancé également, tout comme le numéro 7, Happy Marancourt. Le premier tournant, Énergie qui passe en tête. C'est le numéro 6, c'est la favorite qui a pris nettement l'avantage d'ailleurs et qui est poursuivie par Harmonie du Noyer. Autre jument vu, Happy Marancourt est en troisième position et précède le numéro 8, Haute-Sphère. Premier passage dans la ligne d'en face avec iEnergy qui est parti fort et qui a rapidement pris les trains à son compte. En deuxième position, Harmonie du Noyer. La troisième place pour Happy Marancourt, le numéro 7, talonné par le numéro 3, Oupetros. Haute-Sphère venant ensuite. Devant également le numéro 4, c'est Teddy du Yuka. Et puis un peu plus loin, Endama qui est plutôt à l'arrière, tout comme le numéro 9, Harmonie la Nuit. Happy Marancourt qui a accéléré sèchement pour venir prendre la tête. Est-ce que son driver cherche un relais? Apparemment oui, car Alexandre Abrivard a la possibilité de réaccélérer avec iEnergy avec également un peu plus à l'extérieur le numéro 8, Haute-Sphère. Accélération d'Haute-Sphère pour négocier le deuxième virage, le numéro 8 avec côté corde le numéro 6, iEnergy qui lui a bien répondu. En troisième place, Happy Marancourt, le numéro 7, le numéro 1, Harmonie du Noyer n'a pas quitté la corde, elle est quatrième. Ensuite il y a Eddy du Yuka, la Kazakh Orange, le numéro 4 avec en dedans Oupetros et puis Endama qui est toujours parmi les dernières avec Harmonie la Nuit. iEnergy, la favorite, toujours en tête, accompagnée par Haute-Sphère. En troisième position, il y a Happy Marancourt devant Harmonie du Noyer qui n'est pas loin non plus, Oupetros, le numéro 3, devant le 4, Heidi du Yuka, dans un peloton qui s'étire un peu en longueur. Il faut dire qu'on accélère en tête et Haute-Sphère fait le forcing pour venir prendre le commandement, il y parvient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du rythme depuis le début de cette course, avec Haute-Sphère qui a relayé à l'énergie en tête de course, en troisième position, Happy Marancourt, Amandine Noyer qui doit maintenant évoluer le néo-vent, Harmonie la Nuit venant ensuite devant Oupetros, Endama qui est toujours à l'arrière, alors que Heidi du Yuka semble avoir du mal à coller. Début de la ligne d'en face, c'est le poteau du dernier kilomètre avec l'avantage toujours pour Haute-Sphère devant la favorite. iEnergy, c'est le numéro 6 qui est suivi par Happy Marancourt, par Harmonie du Noyer, par également le 9, Harmonie la Nuit qui entame un bel effort à l'extérieur. Toujours les mêmes en tête, Haute-Sphère, iEnergy à l'extérieur, Harmonie du Noyer en troisième position, le numéro 1, Harmonie la Nuit qui progresse à l'extérieur, ramenant dans son sillage le numéro 10, Endama, Happy Marancourt est toujours calé côté corps devant Oupetros et en dernière position, Héroïne des Loups. Direction le bout de la ligne d'en face avec l'avantage pour Haute-Sphère qui est accompagnée par Harmonie du Noyer. La favorite iEnergy est bloquée. Pour l'instant, elle est au chaud à la corde en troisième position. Harmonie la Nuit, Endama venant plus loin avec Happy Marancourt. Direction le tournant final. Haute-Sphère, le numéro 8, iEnergy en deuxième position. À l'extérieur, toujours Harmonie du Noyer devant Harmonie la Nuit avec également Endama, le numéro 10 qui vient ensuite. Héroïne des Loups et Oupetros qui est en dernière position. Moins de 500 mètres à parcourir. Haute-Sphère, le numéro 8 qui a toujours l'avantage. Assure Harmonie du Noyer, iEnergy qui n'a pas l'ouverture. Ensuite, on retrouve également Harmonie la Nuit, le numéro 9 qui va tenter de bien conclure avec également Happy Marancourt, la dernière ligne droite avec le numéro 1, Harmonie du Noyer qui a pris l'avantage, sur Haute-Sphère qui reste un petit peu là avec iEnergy qui passe à l'offensive maintenant et puis Endama qui s'allonge bien alors qu'elle semblait un petit peu en difficulté. Voilà, 150 mètres de l'arrivée, iEnergy qui a toujours l'avantage mais Endama termine de plus en plus fort avec également Héroïne des Loups qui s'est faufilé en dedans. Endama, le numéro 10 qui a pris l'avantage sur Héroïne des Loups, Endama le 10 qui va s'imposer, qui a donné des sueurs froides à ses nombreux supporters. Il n'allait pas mieux que cela dans le tournoi final. Elle est venue sprinter au centre pour finalement s'imposer face à un gros outsider, Héroïne des Loups. Le 10 devant le 11. La favorite termine 3e, c'est le 6, iEnergy. Et la 4e place pour l'As, Harmonie du Noyer.
Voilà, 10, 11, 4 et As, Sébastien, pour l'arrivée de la troisième. Tout à fait, c'est bien récapitulé, mon cher Frédéric. Et on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le quintet. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs. On va partir, nous, sur les programmes d'avance. Nous sommes attendus pour la dernière course de ce matin. Oui, Manuela, pour le prix de Merano, les concurrents rentrent en piste. On voit actuellement Varia, le numéro 5, monté par Abella Vercelli, qui rentre en piste, suivi là par le numéro 3, Mr. Zaff, pour l'Italie ce soir. Le 7, Swan Lake. On va voir le numéro 2, Ruby Beauty, qui est la favorite à la cote de 3 contre 1. Ruby Beauty, monté par Jenny Langard. Qui seront au départ 2400 mètres comme dans l'épreuve précédente. Et là, pendant que les chevaux tournent au rond de présentation, il y a eu un violent orage. Maintenant, la pluie s'est un peu calmée. Mais c'était un peu l'apocalypse tout à l'heure. Et les jockeys étaient bien au sec parce qu'alors, ça tombait des cordes. Tous les protagonistes de l'épreuve qui se rendent au départ. Et on va passer maintenant à la course de référence qui concerne Ruby Beauty. Et c'était le prix de Clairefontaine qui s'est disputé ici même le 19 mai dernier sur la distance de 2150 mètres. Et ce jour-là, ils étaient 14 en piste. Makugai et sa casaque verte ainsi que Scapato côté corde allaient longtemps donner l'impression de pouvoir s'imposer. Mais Ruby Beauty en noir et blanc finissant très fort à l'extérieur venait arbitrer les débats tout à la fin avec Jenny Langard sur son dos. Victoire très facile, 6 longueurs sanctionnaient sa supériorité au passage du poteau pour cette Ruby Beauty. Donc le numéro 2, Ruby Beauty, confirmé sur ce parcours. On l'a vu dans la course de référence s'illustrer. Elle s'annonce donc très compétitive, favorite tout à fait indiquée. Ce serait peut-être bien qu'aujourd'hui, au moins une fois, là où le favori s'impose au départ d'une compétition, même si Lascalo a terminé troisième tout à l'heure. Donc on voit encore cette Ruby Beauty qui est entraînée par Walter Langard. Là, à côté de Varega, on voit le numéro 1, Giulietta, avec Cédric Arnois qui lui est associé. Entraînement de Claudia Erni, paraît moins brillante qu'en 2021. Le 2 mai dernier, elle était 3e ici même, 1ère Lorena, 2e Fleur d'Ipanema. Et j'ai posé la question à son entraîneur, Claudia Erni. Bon, elle n'aime pas trop le terrain lourd. Alors, elle n'est pas servie, hein, parce que la piste maintenant doit mettre à 4, un bon 4, avec tout ce qui est tombé depuis ce matin. Donc, 60,5 kg, pas trop le terrain lourd. C'était pas si mal que ça en dernier lieu, avec Deborah Kmor qui faisait ses débuts en compétition. Cinquième de Ruby Beauty était 2, c'était le 5 juin dernier. Donc, Giulietta, sur sa véritable valeur, a le droit de faire l'arrivée, mais on est quand même un peu dans l'incertitude avec cette pouliche de 4 ans. Là, la grise Vaillegold, le numéro 8, qu'on a vu tout à l'heure passer derrière les boîtes de départ. Bonne deuxième le 24 mai à Zurich Dilsdorf, n'a encore jamais gagné. On va essayer de s'en sortir. Ça ne va pas être une partie de plaisir, mais l'alourdissement du terrain peut-être l'aider à causer une surprise. On la voit là, cette Vaillegold de numéro 8. À ses côtés, numéro 6, Zambezi, avec Denis Schirgen et Monica Stadelmann, le duo gagnant de l'épreuve précédente avec Shane Douro. Bon, Zambezi, c'est pas terrible l'année dernière. C'était mieux en 2019 où il s'était imposé en ces lieux. Donc Zambezi, s'il le veut bien, a aussi parfaitement le droit de jouer un rôle en vue. Généralement, il était mal parti la dernière fois. Il ne s'est pas pu se montrer dangereux, mais une course de rentrée. Et puis l'écurie en forme. Pourquoi pas une surprise du numéro 6, Zambezi, dont la cote est de 15 contre 1. Le 3, Mr. Zaff, avec Nicolas Gilbert et Pepi Stadelmann, qui ont remporté la première épreuve avec Caria. Mr. Zaff, lui aussi, sait lire et écrire. Il est âgé de 8 ans. Il fait une bonne rentrée ici même. Deuxième, c'était moins bien ensuite. Capable de se reprendre. Puis voilà, faire honneur à l'Italie pour ce soir. Et Mr. Zaff, le 20 juin dernier, il a quand même battu Giulietta Vaillegold et Chamorine. Et était 5e à Dilsdorf le 24 mai avec un terrain à 4,9. Vaillegold était 2, donc Vaillegold, on le sait qu'elle aime le lourd. Et puis le 8 mai à Dilsdorf était 2e de Fleur d'Ipanema, le terrain était à 4,5.
Donc ce Mister Zoff n'est pas incapable de se rappeler au bon souvenir des turfistes dans cette compétition. Derrière lui, on reconnaît le 7 Swan Lake avec Tim Bergin, un cheval qui a brillé en 2019 et en 2020 sous la neige de Saint-Moritz. Décevant cette saison, difficile à conseiller. Fairy Wish, le numéro 4, monté par Karine Swallen, première fois sur 2400 mètres à Avanches, seule pouliche de 3 ans du lot. Donc sa tâche à première vue s'annonce pas simple, alors que vous voyez les favoris de la presse sur votre écran. Ruby Beauty, 6 fois donné ça. Warrega, le numéro 5, 3 citations, une fois en tête. Julieta Alas, 2 fois donné. Sambezi, Vaillegold et Astrakhan, donné chacun une fois. Donc on voit qu'ils sont nombreux à être cités au départ de cette épreuve, qui s'annonce donc très ouverte. Et je reviens sur Fairy Wish. Donc la première fois sur 2004, seule pouliche de 3 ans au départ. C'était pas mal à Dietzdorf pour sa réapparition. Ensuite, c'était moins bien, mais nous a dit Andreas Scherer, elle est mieux en terrain léger. Elle travaille bien le matin, mais l'après-midi, monte pas tout à fait la même chose. Morning Glory, comme on dit pour ce type de chevaux. Elle a du mal à retrouver sa forme de ses 2 ans, parce qu'on se rappelle que la saison dernière, elle avait réussi d'excellentes prestations. Warrégal numéro 5 a été remarqué le 20 juin ici, mais son entraîneur ce jour-là a dit qu'elle avait besoin de bon terrain. Aujourd'hui, ce ne sera certainement pas le cas. Mais Ultra Pride, c'était un peu dans le même cas de figure. Et puis, comme il a terminé sur le podium dans la deuxième course, pourquoi pas cette Warrégal. On a vu qu'elle est quand même bien donnée par les journalistes helvètes et même la mise en tête. Et cette Warrégal peut causer peut-être une surprise, même si elle n'aura pas son terrain de prédilection dans cette épreuve. Il y a 2 Weiss en piste. Les Weiss, quand il pleut et le terrain est lourd, généralement brillent de 1000 feux. Ben aujourd'hui, ce n'était pas terrible. Et là, il présente Chamorin et Astrakhan, qui portent les numéros 9 et 10. Pour Chamorin, bien le matin, d'après l'entourage de l'écurie, on en attend des progrès sur sa rentrée. Ça avait été pas mal ici le 20 septembre de l'année dernière sur 2150 mètres. Pourquoi pas une surprise avec Cecilia Schneider sur son dos. Quant à Astrakhan, le numéro 10 avec Ferenc Benzaye, n'encore pas montré grand-chose. C'est le seul poulain de 3 ans. Il y a une demoiselle et un jeune homme de 3 ans au départ de cette compétition. Difficile à recommander de prime abord cet Astrakhan. On va voir comment est-ce qu'il va se comporter. Il a encore besoin d'apprendre son métier. On va rentrer le numéro 9, Chamorin, dont on attend des progrès donc sur sa réapparition. Julieta est déjà dans sa stalle, tout comme la favorite Ruby Beauty, le numéro 2. Voilà les différents protagonistes donc de cette compétition. On a également déjà dans sa stalle avec Astrakhan, fils de Vadamos. C'est le 6 maintenant, Zambezi, qui rentre dans sa boîte, alors que toujours quelques petites difficultés avec Chamorin, le numéro 9. Point là, Chamorin, un oncle de 4 ans, qui est dans sa stalle de départ. Il va nous rester Mister Zoff, Swan Lake, et puis Fairy Wish dans cette épreuve. Ruby Beauty s'annonce comme la concurrente à battre, mais aujourd'hui, les favoris ont un peu de peine avec ce temps qui est vraiment bizarre. On se croirait en automne, et non pas en plein été. Voilà, ces derniers doivent rentrer quasiment ensemble. Là, voilà, Swan Lake, Fairy Wish et le numéro 3, Mister Zoff. Hein, Mister Zoff. Fait un petit arrêt devant les stalls. On va mettre le bonnet. Ruby Beauty, hein, quand elle est quatrième, la piste était à 3-3. Quand elle s'est imposée, c'était 4-3. Donc ça doit être quasiment similaire à ce qu'il y a maintenant. Mais que les jockeys m'ont dit, hein, la piste est lourde avec tout ce qui est tombé, un peu pénible et puis un peu irrégulière évidemment avec toute l'eau qu'il y a depuis une quinzaine de jours, hein, 200 litres qui sont tombés depuis 15 jours ici sur l'hippodrome d'Avanches. Voilà, Mister Zoff est dans sa stalle, la pluie est toujours là. On donnera rendez-vous dimanche pour les trotteurs sur la piste en herbe, espérons qu'elle ait séché d'ici là. Et voilà qui s'élance pour cette compétition, ce prix de Merano.
sur la distance de 2400 mètres. Ferry Wish est bien parti, tout comme Vaillegold. On est là également avec le numéro 9, Chamorin. Swan Lake à l'extérieur est également aux avant-postes, tout comme Mr. Zaff, concurrents qui vont sortir du premier virage. Et on voit que les concurrents viennent pleine piste avec Ferry Wish qui dirige les opérations. C'est le numéro 4 qui précède Swan Lake, le 7. On est là avec Mr. Zaff, le numéro 3. Vaillegold venant ensuite devant Sambesi, le numéro 6. On est plutôt côté corde avec Giulietta, le numéro 1. Quant à Ruby Beauty, elle est à l'arrière-garde. Fermons la marche de ce peloton avec Astrakhan, le numéro 10. On passe devant les tribunes. Et un tour de l'arrivée, Swan Lake à l'extérieur, le cheval qui brille à Saint-Moritz à la corde. On va retrouver, enfin, son intérieur, le 4, Ferry Wish, qui précède le 3, Mr. Zoff, lui-même détaché du peloton mené par Vaillegold avec Giulietta Zambesi. On est là également avec Ruby Beauty Astrakhan. Fermons la marche de ce peloton qui est un peu course décousue. Et un peloton très étiré pour aborder la ligne opposée, toujours sous le commandement du numéro 4, Ferry Wish, monté par Karin Swallen. Swan Lake galopant à son extérieur. Mr. Zoff amène le peloton avec Vaillegold qui est tout près de lui. On a également Zambesi, Giulietta côté corde. Quant à Ruby Beauty, elle est toujours à l'arrière-garde, en compagnie de Chamorin notamment. Mais on a toujours un duo de tête en face, composé de Ferry Wish, le numéro 4, et Swan Lake, le numéro 7. Deux échappés dans cette épreuve avec Mr. Zoff, ensuite Ruby Beauty qui améliore sa position, mais en venant toute à l'extérieur sur une portion de terrain peut-être moins usée que celle de l'intérieur. On va pénétrer bientôt dans le tournant final. Ferry Wish, le numéro 4, qui a toujours le meilleur précédent tour. Swan Lake, l'écart avec le Ruby Beauty qui est là. Sambesi, c'est plus dur pour Giulietta qui n'a pas son terrain. Et Astrakhan est à l'arrière-garde, tout comme Chamorin, concurrents qui vont pénétrer bientôt dans la ligne droite, avec Swan Lake a quelques difficultés à suivre. Maintenant, le rythme de Ferry Wish, il est absorbé par le peloton. Ferry Wish se retrouve seul en tête, cette pouliche de 3 ans. Mais on se rapproche maintenant avec Zambesi, Mr. Zoff et Ruby Beauty qui viennent. Ferry Wish qui rentre dans le rang, Ruby Beauty qui vient tout en dehors. Zambesi qui va lutter pour la victoire. Mr. Zoff qui est là. Également avec Ruby Beauty qui passe maintenant à l'offensive. Ruby Beauty qui prend le meilleur avec Jenny Langard sur son dos. Mr. Duff qui se défend bien à l'extérieur. Sambesi est sur troisième. Les autres sont dans le lointain. Et ça va être une promenade de santé sur cette piste rendue collante par la pluie pour Ruby Beauty qui remporte une nouvelle victoire ici à Avanches. La favorite a rempli son contrat. Mr. Duff est deuxième. Le 3, c'était le 3. Le 6, Zambesi. Et troisième, et le numéro 8, Vaillegold, et quatrième dans cette épreuve, marquée donc par la victoire de Ruby Beauty, montée par Jenny Langard, entraînement Walter Langard. Ruby Beauty qui s'impose donc très facilement. Elle et les autres. Elle a justifié la confiance des turfistes. Mr. Zoff, le 3, prend la deuxième place. Le 6, Zambesi, est troisième. Et quatrième place donc pour Vaillegold, le numéro 8, qui va précéder Warrega. 2, 3, 6, 8 lors d'arrivée de cette épreuve. On remercie nos équipes techniques et on va laisser le quintet à Vichy. Exactement, merci beaucoup Denis, je vous souhaite une belle journée, bel après-midi, restez avec nous bien sûr pour la suite du programme ici en France avec Vichy, vous l'avez dit, c'est l'heure du quintet, un quintet que nous allons étudier dans quelques instants. Ils sont 15 au départ de cette compétition puisque le 4 Espoir Rose a été déclaré non partant. D'ailleurs n'hésitez pas à flasher hein, ce QR code qui vous est proposé ici sur votre téléviseur de façon à avoir un accès direct sur la page equidia.fr spécial quintet plus, vous avez les partants, les stats, les infos, les interviews, les courses références et même nos pronos. Donc vous voyez, vous allez tout avoir grâce à un seul clic depuis votre smartphone. On tourne une toute petite page de publicité, on se retrouve en direct sur le plateau pour étudier ce quintet ensemble avec Jérémy. Depuis plus de 60 ans, le Vénard vous fait toucher les plus belles cotes. Seul de toute la presse, le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec le journal Le Vénard, champion de France des pronostics, pas de blabla, des résultats. La course du quintet a lieu dans quelques instants sur l'hippodrome de Vichy, une épreuve réservée à des chevaux de 7 à 10 ans que l'on connaît bien. Du coup, je vous le rappelle, le 4 a été déclaré non partant. Jérémy, ensemble, on va s'intéresser à ceux qui sont présents. Ils sont quand même 15 au départ de cette compétition et il y a
deux échelons de départ, ils sont très peu de, nombreux devant. Oui, très peu devant, et en plus la défection d'Espoir Rose qui était une des premières chances de la course. On a Gif de Chaman qui court pas si mal que ça les dernières fois, Caprice de Cossé qui retrouve une seconde jeunesse chez Pierrick Lemuel. On a Bleven, il a 10 ans mais il est toujours un gambe, Effigy Madric avec qui il va falloir faire attention en début de parcours. On a pas mal de concurrents qui ont une première chance dans cette partie de tableau avec le 9 Chiot Belland. Défi de nez, ça va être très compliqué en étant ferré aux 25 mètres. Doruk, il sera que plaqué aujourd'hui et pas déferré. Je l'ai laissé de côté du coup. J'aime beaucoup le numéro 14, Dimo Dokane, qui est peut-être le concurrent de classe du lot, excepté Effigy Royal. Il y a une belle cote et ça peut être très intéressant. Il a affronté des lots plus relevés. Et puis forcément, Eric Raffin avec le numéro 16, Effigy Royal, qui sera la favorite de cette épreuve. En plus, tout à l'heure, on a entendu Olivier nous dire que ni l'entraîneur ni le driver n'est inquiet par rapport à cette situation derrière la voiture. Donc, C'est 25 mètres, c'est au deuxième poteau. Deuxième échelon. Non, c'était le hit qui les inquiétait un petit peu, nos spécialistes. Et c'est vrai qu'elle est passée un petit peu à l'amble, elle est tombée légère. Ils n'étaient pas forcément. Mais oui, Eric Raffin l'avait poussé dans ses retranchements, donc ce n'est pas très inquiétant. Qui dit quinté, dit duel d'experts, c'est tout de suite. Un duel qui va opposer ici sur le plateau Jérémy Lévy à Sébastien Imbro qui est en direct sur l'hippodrome de Vichy. Messieurs, j'espère que vous êtes affûtés. Place tout de suite à vous, Jérémy, déjà dans un premier temps, puis ensuite on verra les tickets de Sébastien. Affûté, c'est peut-être pas le mot pour moi non plus. J'ai retenu en tête de ma sélection du coup le numéro 16, Effigy Royal. Attention, il y a deux Effigy au départ. Qui sera associé à Eric Raffin et qui est la logique favorite. Le 6, Effigy Madric, avec qui il va falloir faire attention en début de parcours. Et puis le 14, Dimo Dokane, le cheval qui a oublié Sébastien, à mon avis, pour donner. Ça sera ma troisième base et c'est une base assez spéculative. Je leur ai associé l'As d'Ilf de Chaman, le 5, Bleven. Comme je vous l'ai dit, il a 10 ans, mais il est toujours aussi frais. Le numéro 7, Elan Baroque. Le 9, Chiot Belland, qui vient d'arriver dans les box de David Alexandre et qui a déjà bien fait pour cet entraînement. Et puis le numéro 15, Calimero Dutiol, qui est un très bon cheval avec qui il va aussi falloir faire très attention en début de parcours. Ok, on a pris une bonne note de votre ticket. Sébastien, à vous. Oui, alors moi j'ai fermé cette chevaux. C'est vrai que j'ai pris un petit risque avec Dimo Dokane. Il a très bien couru la dernière fois, mais la course est ouverte. Donc moi je suis allé chercher peut-être des chevaux un petit peu plus en amont. Vous remarquerez que dans mon pronostic, il y a les deux favorites. Aux deux premières places, j'ai mis Effigy Madric en tête parce que je pense que si elle court sa valeur, elle peut gagner. Et j'ai glissé deux petites choses qui me paraissent assez amusantes. D'Ilf de Chaman qui est en. Et puis j'ai mis Dixie Danica également sur mon ticket, même si ses dernières performances ne sont pas exceptionnelles. Je pense qu'en qualité intrinsèque, il peut faire l'arrivée. Voilà pour les deux toutes petites originalités de mon quintet. Et j'ai fermé parce que je pense que la course peut nous réserver quelques surprises. Merci beaucoup, messieurs. On part tout de suite à Vichy, étude de ce quintet. Dans ma jeunesse, j'ai toujours adoré les chevaux. On le met aujourd'hui dans les meilleurs sportifs de l'histoire. L'aventure humaine, elle est incroyable. Voilà, on poursuit le programme ici sur les pommes de Vichy. C'est le quintet, Frédéric, avec tout d'abord les hits, bien sûr. Alors, nous parlions tout à l'heure en préambule de la petite bêtise qu'a commise Effigy Royal. On va pouvoir revoir tout cela ensemble et l'analyser, bien sûr, précisément. Et puis, on aura peut-être, bien sûr, les réactions de l'entourage dans quelques instants avec la complicité d'Olivier Pivin. Allez, regardons les échauffements. Vous verrez qu'elle n'est pas la seule, Effigy Royal, à avoir fait des bêtises au hit. C'est le cas également du numéro 1 d'Ilf de Chaman. Que vous avez glissé dans votre jeu très fermé, Sébastien, d'Ilf de Chaman qui a fait une faute lors de son échauffement. Je ne sais pas si on aura cette faute à l'image, mais il a fait une petite bêtise tout à l'heure. Bah, c'est parce que ça n'a pas été le cas plutôt lors de ses dernières courses. Donc, non, c'est un peu de sagesse. C'est un cheval assez sérieux. Où en est César Face hein. Difficile à dire, avant le coup ça paraît compliqué quand même. On tente de le déférer aujourd'hui des 4 pieds. Le numéro 3. Caprice de Cossé peut surprendre, il a effectué un hit très correct. Ouais, pour une 4e ou 5e place, ça paraît possible. Mais c'est vrai que pour les chevaux de tête, seulement 3 au premier poteau, c'est quand même pas simple. Le 6, c'est Effigy Madric. C'est un, on va dire un point d'interrogation quelque part. En valeur, c'est l'une des meilleures du lot. J'ai vraiment bien aimé son hit. Attention à elle quand même, parce que si elle fait sa course, elle peut mettre tout le monde d'accord. Je pense
que vous avez tenté un coup assez sympa de l'avoir tenté en tête. Élan Baroque, alors là par contre j'ai pris le risque de ne pas glisser sur mon ticket, voilà, j'ai tout simplement considéré que j'avais pas de point d'appui à droite. Bah, c'est aussi mon problème, tiens regardez il galope, moi c'est mon problème, c'est que voilà, il a pas couru à droite depuis ses débuts où il a été disqualifié, donc à 7 ans moi ça me fait un peu peur. Dixie Danica vaut mieux que ce qu'il a montré ces derniers temps, nous écouterons tout à l'heure Mathieu Abrivard, il nous en dira un peu plus. Il n'était pas négatif dans l'interview tout à l'heure. Ah vous vendez... Un petit peu la mèche. Pas grand chose non plus. Stuart Bellon, numéro 9, hein, il est très affûté. Regardez, tonique, ses dernières courses le montrent ouais, sur le renouveau. C'était une bonne note l'autre jour sur l'hippodrome de Vivo. Alors, Vivo n'est pas Vichy évidemment, mais on sent un cheval qui est revenu bien. Donc, attention, fait partie des nombreux concurrents placés parmi les. Bérénice, de tirer son épingle. Bérénice du loisir m'a beaucoup plus au hit et au canter ces derniers temps, mais elle n'a pas confirmé en course. Attention, parce que j'ai l'impression qu'elle joue quand même un petit peu de malchance ces derniers temps, et je ne serais pas surpris de l'avoir repointé le bout de son nez. Je trouve qu'elle a couru dans des lots plus forts quand même les dernières fois. Attention, bon hit aujourd'hui. Ouais, très bien, très tonique. Définet est un cheval qui tarde à revenir à son niveau. Il a tout juste effectué sa rentrée le 21 juin. Ouais, exactement, c'est un bon cheval, mais il reste ferré, on va attendre de le voir courir un peu plus. Ici Doruk, le numéro 12. J'y croyais un petit peu l'autre jour dans le GNT de Toulouse. Bon, le lot était quand même plus relevé, c'est vrai. Cette fois, il ne sera que plaqué des 4, pas des ferrés, donc ça me paraît un peu plus compliqué, même si vous remarquerez cette cote qui est très basse, de 13 euros. Le 13, c'est Delmont de Blondel, qui est à la cote de 57 euros. Il faut dire que ses dernières performances n'incitent guère à la confiance. Ce qui explique donc cette cote assez élevée avant coup. Le 15, Calimero Dutiol. Attention, sa dernière course est bonne à Toulouse. Ouais, par contre, attention également au départ parce qu'ils sont nombreux au second poteau et c'est un cheval qui est un peu spécial à la volte. Mais dans le GNT de Toulouse, il terminait c'était correct, hein, 7e dans un lot plus fort. Vous voyez Effigie Royale la favorite qui va finir par faire la faute, mais on n'est pas inquiet dans l'entourage, hein, c'est ce que nous a rapporté Olivier. Bon, elle allait vite en même temps. Alors je dirais juste que Edouard Marie, la dernière fois, il faisait attention pour finir avec elle. Hein. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui elle n'est pas déférée des quatre pieds, mais plaquée aux antérieurs. Bérénice du Loisir a effectué un bon hit tout à l'heure. Qu'en attend Georges Fournigo, Olivier? Oui, mais c'est vrai qu'on l'a vu plaisante au 8, et puis vous nous disiez la semaine dernière à Feur que la jument allait être mieux que les dernières fois. Bah, déjà, elle a été beaucoup malheureuse ces derniers temps. Le dernier coup, elle a été jetée. Le coup d'avant monté, bon, ça n'allait pas. Et les coups d'avant, les perfs étaient bonnes. On n'a pas pu sortir un coup 8e, un coup 5e quand même. Donc je trouve que le quintet, à voir comme ça, il me paraît quand même moins relevé de ce qu'elle a couru. Donc j'espère une réhabilitation de sa part aujourd'hui. Ben on va la suivre, merci beaucoup. Il y compte, hein, Jean-Chmondigo, attention à cette jument qui peut créer la surprise peut-être aujourd'hui. Ouais, moi c'est mon outsider préféré, vu la cote, 38, ça me paraît tout à fait possible. Bérénice du Loisir, donc c'est numéro 10. Allez, on regarde Dixie Danica et on écoute Mathieu Abrivard qui tout à l'heure en parlait à Olivier. Quels sont vos... Je l'ai mené à mêlée, j'étais encore bien en course quand il m'a fait la faute. Il a recouru depuis, il s'est bien comporté. Si j'ai la bonne course, il y a pas mal de chevaux qui peuvent gagner dans cette course, hein, c'est assez ouvert. Mais il fait partie des chevaux pour prendre une bonne place. Donc dans les 5, c'est jouable. C'est jouable pour être dans les 5 selon Mathieu Abrivard. Dixie Danica qui a des titres, hein, et qui, après un passage à vide, semble revenir en forme. Ouais, c'est un cheval qui peut faire l'arrivée dans une course comme ça. Après, c'est pas un modèle de régularité. Alors Jean-Christophe Sorel est au micro d'Olivier. Ouais, il arrive, on va lui demander un mot, savoir si il peut terminer dans le quintet. Jean-Christophe, Chiot de Belland, dans cette course très très ouverte, fait partie des nombreuses possibilités, vous êtes d'accord? Oh ben, je pense que c'est très très bien résumé, absolument. Je pense que celui qui va avoir la meilleure course va gagner. Vous avez fait l'échauffement? Ouais. C'est pas génial, mais il est coutumier. On commence à avoir l'habitude. Okay, merci beaucoup. Stuart Belland, c'est numéro 9, donc il a le droit de faire l'arrivée comme beaucoup d'autres, hein, si on en croit Jean-Christophe Sorel. C'est vrai que ces dernières courses sont bonnes à Stuart Belland, en tout cas elles sont à minima encourageantes. Et aujourd'hui, lui qui est un bon droitier peut tirer son épingle du jeu. Regardons une course de référence rapidement. Elle concerne la grande favorite, Effigie Royale, qui vient de bien se comporter ici sur le plan de Vichy.
une épreuve remportée par Evita Perron, figé royal qui avait longtemps patienté, qui avait sprinté à l'état droite de l'écran. Voilà, elle est située ici. Et puis il y avait Définé également qui participait à cette course et il a terminé en léger retrait. Il effectuait sa rentrée ce jour-là après plusieurs mois d'absence. Regardez la position de Pierre-Édouard Marie. Hein. Ouais, il doit être vigilant à son jockey. Ouais. Faire attention pour tout donner. Et Peter Marie, justement, qui est Pierre-Édouard Marie, qui est ici présent à Vichy, est au micro d'Olivier. Oui, exactement, pour faire le point sur celle qui est donc la favorite et revenir sur le hit. C'est vrai qu'on l'a vu fautive. Bon, Eric me disait tout à l'heure, pas être plus inquiet que ça. Et vous ? Non plus, moi, j'aime pas, elle le fait jamais, mais on va toujours doucement au hit. Là, il a peut-être voulu aller un petit peu vite, mais voilà, faut pas l'exciter avant le départ. L'autre jour, sur cette piste, c'était vraiment très bien. Elle a bien sprinté. Elle fait une belle ligne droite. La ligne droite est longue, ça l'a avantagée. Que vous l'estimez au top pour ce quintet, au top de sa forme? Oui, je pense qu'elle est montée là-dessus. Voilà, les pertes d'avant n'étaient pas très bonnes. Là, on a repris le bon cours, je pense. Donc voilà, on est venu là pour faire de belles choses aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous craignez, qui vous embête ou pas? Ni le temps, ni la piste. Ni... Non, on est bien ici. C'est des lots qu'elle connaît, qu'elle est capable d'affronter. C'est toujours des lots fournis. Il y a des bons chevaux. Il reste 3 minutes. Ça fait partie. Voilà, pas grand chose à dire de spécial. Elle est la jument. Alors, c'est toi, on fait combien? Merci Pierre. La jument est bien. Et Pierre-Édouard Marie, on le sent à bord de cette course avec confiance. Ouais, bah on connaît le niveau de cette jument. Désolé les gars, j'étais en train de manger à côté. Tout à fait gagné cette course. Je pense que c'est vraiment les deux juments de classe du lot avec Effigie Madric. Regarde combien on fait. C'est 3 2 sur 4. Derrière. 2 sur 4, R1, c'est 3, on fait quoi? Effigie Madric, on la voit ici à l'écran, et écoutons Alexandre Abrivard qui en a parlé il y a quelques minutes à Olivier. Effigie Madric qui fait partie des concurrents en vue dans le quintet. Et où ça range les rapports? Sur sa dernière perf justement ici même. Bah, Effigie, 2 sur 4, c'est quoi ça? C'est une première chance, mais c'est vrai que ces deux dernières courses, elles sont. Pas marqué? Elles sont bizarres. À 5h10, ah là là, c'est petit. Oui. La 10-11 qui était intéressante, la 10-6-As, payé 3 fois 5,10€, le 11 il faisait de l'œil mais c'était un peu riche, j'ai eu peur. C'est toujours vraiment très ouvert cette course parce que finalement tous les professionnels que j'ai rencontrés... Pierre de C4, la course qui vient de se faire, j'ai vu quoi, il y avait... C'est même le 4 Pierrick Lemoelle, avec le numéro 3 qui a prise de course. Il y avait 10 partants. C'était R2C4, il tombe le 2. Bon, là, il ne serait pas surpris de terminer 4, 5e. C'était quoi? C'était le choix, non? Alors, c'est vrai que les chevaux des 25 mètres vont... Les 2 sur 4 vont être petits aujourd'hui. R1C4, on fait quoi? Même chose pour René Delaune avec Guy Modocagne, hein, qui a vraiment été emballé par le hit. Tout dépendra du scénario. Il y a des cotes à 60. Il y a deux cotes à 60, pratiquement 52 plus 58. Calimero du Tiol, alors comme le disait, comme le rappelait Frédéric. Cotes à 62. Mais l'autre jour, c'était très bien dans un super. Ça m'intéresse pas après. De 1950 mètres. Il croit même pour le podium. Donc voilà. Bord en droite. Et 7 à 10 ans, là, d'accord. Qu'est-ce qui tombe généralement à 17 à 10 ans sur Caprice de Cossé, moi j'ai trouvé qu'il faisait partie des bons hits, hein, que nous ayons vus. Cédric Terry sur le 1, Calier sur le 2, Pierrick de Moël sur le 3. Tout à l'heure, il y a une ou deux minutes, c'était 35 euros et je crois qu'elle est retombée. 30, elle est retombée à 30. Ouais. Bon, on fait quoi? Non, parce que c'est un cheval que j'aimais bien. C'est typique de 16 partants, quelquefois on se retrouve avec A6-7, 11-13-16. Bon, le 11 est un peu riche. Le 13 aussi, hein, du coup. On a quoi, le 2, 11-13 en fait, cote. On a As-10, 16, As-10. Le 16 est pas mal, hein, gagnant. Hein? Oui, mais ça taille. Il y a des fautifs à Vichy, il y a des fautifs. Ouais, mais il court souvent déféré. Il y a des cotes à 60 euros, il y a 4 cotes à 60 euros, mais 3 cotes. Après, il y a 30 euros, puis après, il y a 15 euros. Et l'embarroque est quand même suivi, malgré le
peu d'aptitude à main droite. On rappelle qu'il n'a pas évolué à main droite. Dans les numéros, il y a beaucoup de quoi. Il y a beaucoup de tête. Il y a du 5, du 7. C'est l'interrogation concernant. Il y a du 3, du 5, du 7, du 13, du 3. Il est le troisième favori. C'est quoi ce truc-là ? Garcia présente également cette course d'Ilf de Chamans qu'il a confiée à Cédric Théry. Attends, je baisse le retour, j'arrive pas à jouer. C'est pas facile à gérer ça comme situation pour le driver de tête. Bon, désolé les amis, je l'ai pas. J'étais en train de manger, je fais que de revenir. Ça va y avoir du 5 sur 5, du 10 ou du 13 peut-être en fun, un peu passé, je sais pas, on va regarder ça. La représentation de l'application PMU, ils ont drôlement changé là, c'est rajeuni. Incroyable. Talonné par César Feiss, ça roule devant le numéro 13, Delmonde Londel qui est en quatrième position devant le numéro 6, c'est Effigie Madric, l'une des favorites, Dimo Dokain venant ensuite devant Défi Donné, Effigie Royal qui est drivé côté corde par Eric Raffin, venant ensuite avec également le numéro 15, Calimero Dutiol. La prise de Cossé s'est retirée de la course, il a été disqualifié pour allure, Dilfeu de Chamans en tête, marqué par César Feiss, Delmonde Londel qui vient troisième devant Effigie Madric, Dimo Dokain avec ensuite en retrait qui patiente plutôt côté corde le numéro 12 Doruk dans un peloton qui ressort du tournant qui va venir devant les tribunes. Dilfe de Chamans est en tête et Fiji Madric accélère. Dimo Dokain accélère également et Calimero Dutiol tente de suivre le mouvement. On a temporisé devant et les chevaux des 25 mètres qui en profitent avec Dilfe de Chamans qui voit venir à son extérieur. Fiji Madric le numéro 6 qui vient venir la relayer. Troisième position dedans pour César Feiss le 2 devant Delmont de Blondel accompagné dans le wagon de la deuxième épaisseur par le numéro 14 Dimo Dokain qui emmène Calimero Dutiol et Fiji Royal qui s'est décalé de la corde et voilà un effort devant les tribunes du numéro 8 Dixit Danica qui emmène dans son sillage le numéro 9 Stjut Beland. Il vient très vite Dixit Danica devant les tribunes pour peut-être rejoindre la favorite ou l'une des favorites Fiji Madric et fort également du 9 Stjut Beland qui tente de venir se placer également dans le groupe de tête. Dimo Dokain est toujours là avec Dilfe de Chamans qui est à la corde et Calimero Dutiol qui précède quant à lui le numéro 2 César Feiss. Avec Effigie Madric qui a toujours l'avantage, le numéro 6 Dixit Danica qui est venu l'accompagner en tête de course. À l'extérieur, on est toujours on progresse toujours avec le numéro 9 Stjut Beland, le 14 Dimo Dokain qui reste au contact des animateurs. Dilfe de Chamans est toujours calé côté corde, alors qu'on tente également de se rapprocher à l'extérieur avec Calimero Dutiol. On lui emboîte le pas avec Effigie Royal, la favorite qui a progressé dans ce wagon, on continue d'accélérer en face puisque Stjut Beland continue de mettre la pression. Mais il ne parvient pas à doubler ses adversaires. Ouais, il y a pas mal de relais, il y a bagarre en tête hein, pour tenter de venir menacer un peu Effigie Madric qui pour l'instant est au contrôle de la course. Dixit Danica est là, Dilfe de Chamans également, Calimero Dutiol qui vient avec Effigie Royal. Dixit Danica est toujours également bien en course et Dimo Dokain est également au contact tout près. Bientôt le tournant final, Effigie Madric aux prises avec Calimero Dutiol, Dixit Danica qui est toujours là et encore plus en dehors, Effigie Royal qui a été ramené sur un plateau mais qui doit maintenant y aller néo vent. Dilfe de Chamans semble avoir un peu de gaz dans le tournant final et va jouer les places avec également Dimo Dokain. L'entrée de la ligne droite maintenant avec toujours le numéro 1, le numéro 6 pardon, Effigie Madric qui est aux prises à la pour la victoire avec Calimero Dutiol. Effigie Royal qui est maintenant lancé en pleine piste par Eric Raffin mais qui va peut-être avoir du mal à venir chercher ses adversaires avec également Dilfe de Chamans qui joue les premières places. Calimero Dutiol aux prises avec Effigie Madric à 100 mètres du poteau, Effigie Madric qui repart sous l'attaque de Calimero Dutiol alors que Dilfe de Chamans s'allonge bien et vient jouer la troisième place. Effigie Madric le numéro 6 qui va résister à Calimero Dutiol, le numéro 15, la troisième place pour Dilfe de Chamans là devant César Feiss, la cinquième place peut-être arrachée tout à la fin par le numéro 14 Dimo Dokain. 6, 15, As 2 et peut-être le 14 qui prendrait la cinquième place à vérifier néanmoins avec le film contrôle. Effigie Madric s'impose de bout en bout. Alexandra Brivard l'a drivé en grande confiance, elle renoue avec la victoire, 5,60€ pour sa cote, deuxième place pour le 15 Calimero Dutiol, à la cote de 19€, la troisième pour Dilfe de Chamans numéro 1, à la cote de 14€, et puis derrière c'est le 2 César Feiss qui crée une grosse surprise, il termine quatrième, et alors Dimo Dokain je pense termine cinquième, hein, numéro 14,
6-15. C'est ça. As 2 et 14 pour l'arrivée provisoire du quintet. Exactement. Et la victoire pour Effigie Manrique, vraiment assurante aux échauffements. Le hit était très bon. Elle est venue à bout d'un. Dixie Danica déçoit. Il est venu aux avant-postes, mais il a plafonné. Effigie Royale déçoit également. Elle est venue dans le tournant final, mais elle n'a pas pu poursuivre son effort. Elle termine 6 au 7e au passage du poteau. Puis on a vu une fin de course très correcte d'Elan Baroque qui termine 6e. Le 6 devant le 15, l'As, le 2 et le 14. Voilà pour l'arrivée chiffrée du quintet, arrivée provisoire. Une victoire d'Alexandre Abrivard qui s'impose en tant que driver pour l'entraînement de son père Laurent Abrivard et la casaque de Gérard Augustin Normand. J'ai vu ça se partant la course de matin. J'ai donné mon ressenti avec la dernière ou l'avant-dernière. Vous en avez parlé tout à l'heure. Le dernier ou l'avant-dernier numéro de chaque course, c'est le premier ou le deuxième numéro. Ajouter le favori à la deuxième petite cote. Après, il faut essayer de relier avec le cinquième numéro à trouver avec ce qu'on a déjà. Sur 4 était payé 3 fois cette méthode. Il y avait 16 partants. Tu fais As 2, 15, 16. Tu payes 3 fois. Tu as vu les cotes qu'il y a ? Ça, ça me plaisait bien. Le 12, ça aurait été la surprise. On en avait parlé. Le 16, c'était plus le 16. Donc, on se fait avoir avec le 16 favori. Puis As 6 à la place. Et Vichy. Mettre ça pendant toute la journée. Ou alors on se retrouve les courses avec numéro de course, numéro de réunion et deux favoris. Ou alors on met les deux favoris, les deux derniers numéros et les deux premiers. Vous préférez les courses à 10-13 partants. Une épreuve à réclamer par laquelle nous allons démarrer notre programme des 3 ans avec deux noms. Attends. Jérémy, vous proposez un jeu simple avec Pretty Suzy numéro 8. Oui, l'entraînement de Frédéric Rossi, la décharge d'Ambre Mollins, je pense qu'elle est capable de. Attends, je pense vous. J'ai juste un petit peu peur du terrain. Elle n'a pas trop réussi jusqu'ici dans le terrain collant, mais ouais. Elle a déjà bien fait dans le très souple. Donc, à mon avis, c'est une possible réate. Et le ticket offensif. Je ne me suis pas trop embarrassé de tactique cette fois-ci. J'ai fait le champ total en trio avec en deuxième base le représentant Pantal. Le numéro 2, Charlie Chic. Donc 8 et 2, champ total en trio, ce qui vous fait 10,50 euros en mise pleine. On a finalement 4 chevaux au niveau du betting, entre 4 et 5 euros. Donc c'est dire un petit peu si l'épreuve peut s'annoncer assez ouverte, puisqu'on le rappelle, nous ne sommes que 7 du coup, au départ de la course. Merci Jérémy, on se rend sur place. On va retrouver sur place Guillaume Louis, qui ne sont pas des professionnels, aux commentaires avec nous. C'est Stéphane Coste, messieurs, bonjour. Bonjour Manuel Jolivet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue effectivement sur le très sympathique hippodrome de Compiègne qui vous accueille ici pour cette journée ensoleillée, mais ne vous y trompez pas, le terrain comme vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure est annoncé à 4,4 collants aujourd'hui. Vous noterez également qu'il y a pas mal de noms partants, le 101, le 106, le 205, le 401, le 501, le 610, le 808 et le 818, il s'affiche en bas de votre écran. Et on va retrouver Guillaume Luix, que l'on salue avec un premier invité, Thibaut Speicher, pour parler du 4 Picksilver. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, Thibaut qui est à mes côtés pour évoquer l'un des favoris, Picksilver, qui vient de gagner à Lyon. Est-ce qu'autre jour, il vous a convaincu? Disons qu'il nous a rassurés. On a trouvé le créneau de la distance et de la catégorie. Il avait besoin de retrouver la période de forme. Et on pense qu'on est arrivé dans la période qui lui convient bien. Il a l'air bien en ce moment. Il est dans sa catégorie, la distance. Non, tous les feux sont au vert. Le terrain différent aujourd'hui, est-ce que c'est un plus ou un moins? Je dirais qu'avant le coup, c'est un plus. Il a des références quand même au Croisé la Roche. Quand il a gagné à 2 ans à Deauville, c'était déjà très souple. Il n'a jamais fait le très lourd, mais je vais marcher la piste. Je ne pense pas que pour la première, ça va être très lourd. Ça va peut-être être collant, mais pas être très lourd. Donc je pense que disons que ça ne pose pas de problème avant le coup. Pensez-vous qu'il puisse regagner? Oui, mais il n'est pas déclassé. Il y a un écart de poids avec les chevaux qui ont une chance, portent moins de poids grâce à leur décharge. Mais oui, il est possible qu'il puisse regagner. C'est Thibaut.
5 des 7 concurrents sont sous les 10 contre 1. On vous rappelle que le numéro 1, Godfrost, et Lulihammer, le numéro 6, ont été déclarés non partants. Pendant que vous voyez ici le 4 Pick Silver, je vous propose de retrouver en compétition le numéro 8, Pretty Suzy. C'était lors de sa dernière tentative sur cet hippodrome de Compiègne. La pouliche qui est donc la préférée de Jérémy dans cette course, qui progresse en pleine piste. Une course à 9 partants, c'est intéressant. Qui vient complètement dehors, isolé des autres longues courses. C'est intéressant. Il y avait également Sensible, Casac Orange et Noir qui terminait deuxième. Je vais refaire un tour sur l'application de Live. Et sur la foi de cette tentative, sur la foi également de son engagement, hein, puisque c'est une pouliche qui a une valeur assez élevée de 33, qui va porter un petit poids grâce à la décharge qui est donnée à Ambre Molin, 54,5 kg. Elle fait également. Elle fait effectivement figure de lauréate. Fille de l'excellent flyer qui était Carada, qui avait notamment gagné chez nous et à Paris-Longchamp. 8, Pretty Suzy. Autre concurrent en vue dans le haut tableau. Cette fois, c'est le 2 Charlie Chic qui est présenté par Alex Pantal et associé à Lucas Rousseau. 55,5 pour ce fiche de French 15 qui a un taux de réclamation parmi les plus élevés de la course, 17 000. Facilement reconnaissable, hein. Les chevaux d'Alex Pontal, on les reconnaît facilement dans un round de présentation. Ses débuts dans les réclamés se sont ponctués le 18 mai dernier à Saint-Cloud par une troisième place. C'était sur la même distance. C'était, c'est important, sur une piste qui était annoncée collante ici. C'est un cheval qui a déjà gagné. C'était à Morlaix à l'âge de 2 ans et qui va aujourd'hui découvrir l'hippodrome de Compiègne. Fils de French 15 et de Lily des Indes qui défend... La casaque bien connue, Madame Sigle. Co-favori, donc le numéro 2, Charlie Chic. Maintenant, avec le 4, Pick Silver, ce n'est plus le 8, Pretty Suzy, qui est juste en dessous. C'est vrai que vous hésitez un peu. Et tout à fait logiquement, dans cette course, entre 1, 2, 3, même 4 concurrents pour la victoire. Ouais, course qui est compliquée, hein, Stéphane, vous lisez. Les amis. Très ouverte, difficile d'avoir un favori en béton. Lucas Rousseau, bonjour. Le numéro 2. Du bug. Facile état du terrain, c'est un fils de French 15 hein, qui donne des produits de terrain bien souples. Ce qui est le cas aujourd'hui, il a répondu présent récemment, le cheval est en forme et il s'attend à bien courir. Et sur pas déclassé, pas sûr de gagner, mais le cheval devrait bien se défendre aujourd'hui. Ah. Celui-ci fait également partie des chevaux à suivre, celle-ci, hein, puisque c'est une pouliche, le numéro 7, Trolley Glorious. Qui est une concurrente entraînée par Axel Baron. C'est une pouliche qui était... J'ai plus le chat. Pouliche qui a une valeur de 35,5, qui a déjà participé à deux réclamés, une sixième place à Paris-Longchamp, une troisième place dernièrement sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Trolley Glorious était alors battue d'une longueur et demie par Pick Silver, qu'elle va retrouver ici. Mais attention, les conditions de poids sont quelque peu différentes. Il y avait 1,5 kg à l'avantage de Trolley Glorious lors de leur dernière rencontre. Il y a 3 kg aujourd'hui. Donc 1,5 kg pour espérer devancer cette fois Pick Silver. Allez, attends, je vais mettre un petit dieu. 1h10 lors de la dernière réunion qui s'est disputée sur alors, le drone 9 partants. Avec Alastor pour John Nouvelle-Colligny et puis d'un rien grâce à Sharky dans les dernières courses du programme. Pour le 3, Tchernobog. On voit dans les numéros beaucoup d'un, de 3. On voit du 9. On voit As 2, 4, 5, 9. On voit As 3, 4, 2. 3, 2, 4. Ouais. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'As. On voit du 3, 2. On voit du 2, du 4. On voit beaucoup de 4. Il y a quelques jours seulement, c'était sur l'hippodrome de Chantilly le 3 juillet dernier. Ouais, c'est du plat. Aujourd'hui avec les œillères pour la première fois, comme vous venez de le signer. Pour le numéro 5, les petites et les plus grosses, le 9 est plus gros. C'est du plat, c'est combien de mètres qui va être nettement mieux sur 700 mètres ici à Compiègne. Donc la distance est un vrai avantage. Oui, voilà. On en recherche nous-mêmes. Je pense qu'il aurait été mieux sur une piste un peu plus ferme. Et voilà, en tout cas, sachez qu'il va être nettement plus percutant sur cette distance. Riak avec les œillères australiennes, fils de Rajaman qui est monté donc par Haute du Porté. 1600 mètres d'important, 1600 mètres rapide pour du plat. Ouais, c'est de la piste en herbe. Sur l'hippodrome de Compiègne, pas
Ah, c'est de la piste en herbe. C'est quoi la piste en herbe? Ok, un petit décalage. Genre 5-7. Quoi, c'est avec 5-7? C'est 2-5-7. 9-2-5-7. Ça me plaît bien. Moi, j'aime bien faire des suites genre 7-2-5, 7-2-8, 2-7-8, 2-7-5. Le 2 ou le 7 sont sympas. Le 2, je pense qu'il est sympa. 2-7-8, 2-7-5. 2-7-8-5, peut-être. Après, tout à l'heure, on voyait beaucoup de 4. Peut-être de. 8 divisé par 2, ça fait 4. 7 et 5, 13. 7 et 5, 12. Hein, c'est ça, 7 et 5, 12. Plus 2. 7 et 5, 12. 7 et 4, 11. 7 et 4, 11. Putain, bah, le 6, c'est nous partant. Bah oui, je pars du 6. 7 et 4, 11. 7, 2, 4. 7, 2, 4. Ouais, c'est typique de 6 à 9 partant, on retrouve beaucoup d'as 6, 2, 4. Là, on n'a pas d'as 6, donc on va forcément avoir du 2, 4. Tout à l'heure, on parlait de beaucoup de 4. On avait beaucoup de 3, 4, 3, 4 tout à l'heure. On avait un petit peu moins de 3 que de 4, mais on avait beaucoup de 3, 4. Jouer les favoris, là, ça serait vraiment bien aussi, à faire un trio avec les favoris. 2, 4, 7, 8. Je pense qu'il y a du 5 sur 5 ou une suite. Genre une suite avec 4. 4, 12, moins 2, ça fait 10. Et 4, 12, moins 3. P9, 9 partant. Et puis le numéro 5, Riac, avec haute du porté. 55 kilos. Et elle a l'entraînement de Caroli. 4, 5, 7, 8. C'est le 2 qui m'emmerde. 4, 5, 7, 8, 2, c'est pas mal, mais on en verra, quoi. Le numéro 9, With Me, qui est normalement. Yuri Matisse, qui défend la casaque de Marquilly Usan. Et la montre de Clément Leca. Attends. Ah oui, c'est peut-être ça. Alors, on a peut-être 8, 3, 5, 2, je sais pas, non. On a 1000 mètres en plat. On a beaucoup de 8, 3, 5 à 1000 mètres en plat, mais ça me paraît un peu cher de mettre 3, 5, c'est de la piste en herbe. Je préfère mettre une suite, mais je sais pas où la caler. Où la caler. 7-8-2, c'est le plus petit, hein. On peut prendre le 3 derrière ou le 5. Hein. 7-8-2-5, 7-8-2-3, 7-8-2-5, hein. Dans Super 4. Je vais vous le mettre, je vois le compter en trio. C'est quoi la course à 3-1 ? Deux noms partants dans la première course du programme, l'As Godfrost ainsi que le numéro 2, 8, 3, 5, ça sera un peu facile, mais pourquoi pas. Après, c'est ce que je parlais. Qui a pris un excellent départ avec le 5, Ria qui vient à son extérieur accompagné. De se retrouver avec les fins de numéro puis les débuts, là. Du nombre de partants.
se retrouve maintenant dans le dos de Truly Glorious. À l'extérieur, le numéro 5, Riak, en quatrième position, on retrouve le 4, Pick Silver, devant le 9, With Me, alors que le 8, Pretty Susie, est en avant-dernière position, devant le 3, Chernabog, qui est en dernière place. Truly Glorious, le numéro 7, avec une longueur d'avance maintenant sur le 5, Riak, qui est dans son... Le 2 sur 4, au quartier, combien ? Avec As 2 15, tu faisais 3 fois 4. As 2 15 16, hein, tu faisais 3 fois 47 euros. Les derniers, les premiers ce matin. La deuxième cote, c'était 6, non ? La deuxième cote, c'était quoi ? 4-4, le 6, il y avait 2-5, le 16, le favori, le 6, c'était 4-4, hein. Ouais. C'est un multi, hein. Un multi à combien ? 4977, la vache, 6-15, As-2, je faisais 6-15, As-2, 16, et tu mettais deux favoris, tu mets les premiers derniers numéros, ça t'étais bien payé, la vache. 5 numéros en multi, 5 numéros en multi, la vache. Ça vendait. 995 euros, la vache. Le 9, il vient se passer quand même. J'ai oublié le 6-9, les cahouettes. Le 8-7, c'est tout. C'était trop gourmand. Le V987, la suite 987, avec le 4. Bon. C'était la 3 plus petite cote, mais pas vraiment celle que je pensais. La 3ème victoire de sa carrière, en résistant aux attaques, le trolley glorieux. C'était le 2 qui vient, ouais. Un instant, laissez illusion qu'elle pourrait. La suite 2, c'était bon, mais. Je n'avais pas le reste. La suite 2-9, ouais. C'était la fin, il y avait 9%. C'était la fin avec le 2 favori, c'était 2-9. Déstabilisant le 4. Je ne sais plus c'était quoi la deuxième favori. Ça fait chier. Ça va être sympa. Bon, j'étais en train de faire un essai pour les. Non, sur Twitch, je suis toujours en essai sur Twitch. Hein. Il n'y a jamais personne, de toute façon. Ça m'amuse pas, franchement, de diffuser sur Twitch. Il n'y a jamais personne, j'ai pas d'abonnés. Sur Facebook, je suis bloqué de partout. Je m'amuse un peu sur Twitch, mais je m'amuse tout seul, donc c'est un peu chiant. Quoi. J'ai aucun like, je passe 2 heures, j'ai aucun like, j'ai aucun abonné. Ça va 5 minutes quoi. Facebook, il me casse les couilles. Je vais faire un autre contenu sur Twitch, hein. Je vais pas faire des pronostics. Hein. Je vais faire un autre contenu sur Twitch. Hein. Apparemment, les pronostics, ça plaît pas. Il n'y a personne qui vient. Il y a 10 000 personnes sur Facebook, sur ma page. Personne ne veut venir. Je ne sais pas ce qu'ils font, les gars. Aucune réaction. Je ne sais pas où ils sont. Je leur demande 50 fois de venir. Rien du tout. On ne peut pas obliger les gens. Des applications de réseaux sociaux, mais c'est pas pour se rassembler, c'est pour se foutre sur la gueule. Du coup, t'en veux à l'autre parce qu'il fait pas ça, t'en veux à l'autre parce qu'il dit ça, c'est n'importe quoi, quoi. Faut être patient, quoi. Je sais que les spectateurs, ils n'ont pas le droit de faire du chat, là, apparemment. Je sais pas.
Jérémy dans ce rendez-vous. Je ne sais pas. Course du programme à Vichy, c'est maintenant. Oui, une cinquième course avec en effet cette grande favorite qui s'annonce redoutable, Gaia Sauton, le numéro 13. Qui avait remporté sa course à Rambouillet début juin, c'était le 6 juin, piste en herbe, et qui aujourd'hui retrouve le sable. Elle a couru d'ailleurs une nouvelle fois. En bref, allez, on reprend les esprits. À l'arrivée, et aujourd'hui, elle retrouve une piste en sable. Elle avait gagné à Angers en début. 2950 mètres, il y a 15 partants, c'est Vichy, ça fait des fautes à Vichy. On est 06-07 2021. Une favorite assez logique, hein, semble-t-il. C'est une bonne droitière. Terrain, c'est ça. Des cotes à 70, une cote à 70, une cote à 60, deux cotes à une cote à 40. Quand même rendre la distance. 70, 50, deux cotes à 50, une cote à 40, une cote à 70. Après, il y a deux cotes à 40, trois cotes à 40. Et Mathieu Abrivard qui veille au dernier préparatif. Mathieu Abrivard, on portait combien de courses depuis le début du meeting ? Une cote à 70, deux cotes à 55, pardon. Il y a combien de cotes à 40 34, 44, 43, 38, 32, pardon, 39. Allez, on les laisse se préparer. Et de notre côté, on regarde une course de référence. Elle concerne le 3 Génie Speedy 4. Il y a 15 partants. Comment on fait 15 on fait 15 comme ça ou on fait 15 14, 5 moins 1, 4. 4 moins 1, 3. 14 plus 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12 plus 14, 15. Qui terminait à la troisième place, qui est également de la partie ici. Alors, Génie Speedy 4, contrairement à l'autre jour, ne sera pas totalement déféré. 12 plus 14, 15 en 2 sur 4, c'est quoi? Et on retrouve. Sinon, on s'invite avec quoi? Avec 3, 13. Du côté des écuries. Invité, qu'est-ce qu'il pourrait venir en invité là? On va essayer de trouver le gagnant, ça serait bien. Les deux plus petits potes, les trois plus petits potes, c'est quoi? C'est le 13, le 7? Aujourd'hui, défaire les 4 pieds, c'est donc le jour. Bah ouais, c'est une bonne course, que des femelles, c'est intéressant. 13, 3 moins 1, 2. 2 fois 7, 14. 14. 21, 5. 5, 11. 1 et 2. 2 fois 8, 16. C'est 7 moins 1, 2 fois 8, 16. C'est de l'autostart, non? Une certaine facilité, elle peut aller devant si je suis mal pris, donc j'ai pas mal d'options pour moi. Retour corde à droite aussi, où on a vu... Je suis en train de faire mes recherches. Merci beaucoup. Corde à droite, il y a une longue distance, c'est un recul de 25 mètres, ok. Recul de 25 mètres, du recul tout à l'heure, les autres courses à Vichy là. Après, c'est pas une normalement, j'ai un truc dans l'œil depuis ce matin, les gars. C'est une bonne chose, c'est une bonne droitière, mais elle est pas pratique comme jument. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, c'est sûr qu'elle fait partie. Des 7 à 10 ans, recul de 25 mètres pour quinter. Bon, bah. Jument très simple. Allez, on va passer en revue les juments qui entrent progressivement en piste. Des cotes quand même énormes. C'était il y a une dizaine de jours de une cote à 80, une cote à 60, deux cotes à 60, trois cotes à 60, deux cotes à 50. On peut tenter peut-être le 3-4. Hein. 3-4, c'est 4-3, ça fait 1, donc on monte à 14. On met 3-4, ça peut passer. On fait 4-12, 2-1, 3. Vous êtes 3-15. 3-4-12, 3-4-12-13, pas mal ça, 3-4-12-13, alors 3-4-12-13, 3-4-7, il y a du 4-7, 3-4-7, le 7 il a, tu vois, il a 56 comme de 15, il y a 15 partants, 5-1-4, 4-7. 4 et 7, 11. Ouais, 1, 4.
15-7-13, c'est pas mal. 15-7-13. C'est un tandem, Leclerc Renard, Julien Festin qui a fait 15-7-13, c'est ça. 15-7-13. Là, c'est un tandem qui est de nouveau. Le 6 ou 9, 15-7-13. Comme Jérémy Lévy en plateau, vous pensez que les juments qui partent au deuxième échelon ont un peu de marge par rapport à celles qui partent au premier? Pour Gaïa, 15-7-13. Plus 1, moins 1 quelque part. 15-7-13-12, 15-7-13-15, 15-7-13-As. On fait 15-13-7-6, 15-13-7-8. Il y a 15 partants, regarde, il est coté à 18 le 15. On peut faire 8 moins 1, 7 et avec le 8 aussi. 7 et 8, 15. Ouais, 7 plus 8, 15. Plus le 15 et 13. 7, 8, 15, 13. 7, 8, 15, 13, c'est pas mal. Alors, le 7, on se le fait en 3, 4. On fait 7, 8, 15, 13 ou 3, 4, 8, 3, 4, 8, 3, 4, 8, 7. C'est peut-être 3, 4, 8, 7, ça me plaît bien ça. 2 sur 4, 13, 14, 13, 3, 4, 8, 7. 13, 3, 4, 8, 7, c'est pas mal aussi. Solide, hein. Aérienne. Elle a l'air bien. En tout cas, c'est très rassurant. Tu m'entends, Mourad, non ? Alors, on a un autre professionnel à écouter, c'est Cédric Théry, qui est au sulky du 9, Gaillet d'Urzy, on écoute. Ah, je vais vous donner mes propositions. J'ai fait un bon hit, je la découvre, mais le 8 était bon. Il y a un bon petit lot, mais pour une place, je pense, mais le 8 était bien. Content du 8, Cédric Théry. Fait partie toutefois des gros outsiders de la course. On poursuit les canters avec Gravona numéro 1. Ah bah elle est au galop, Gaïa d'Urzy d'ailleurs. Voilà, Gaïa d'Urzy en effet. Est-ce qu'un stat, je disais quoi l'avant-dernière fois. Son avant-dernière 13, 15, 7, 3, c'est pas mal non plus. Qui avait refait le champ de course début du mois de juin à Toulouse. En 2 sur 4, formule. Fait partie probablement des possibilités. Qu'en pense son entraîneur Guillaume Huguet? On va savoir s'il est confiant. Gotham City, la jument a conclu 7e lors de sa dernière course. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la jument, elle était malade. Elle a pas mal toussé après la course parce qu'il fallait vraiment une explication. Il a eu un parcours correct et puis la jument, elle a pas giclé pour finir. Elle a pas été bonne. Voilà, on recourt un mois et demi, c'est peut-être le truc, mais c'est une jument qui se prépare bien. Elle a bien travaillé donc voilà. Il y aura également Gold du Rabutin qui n'a pas été revu depuis le mois de janvier. On regarde courir seulement. Ouais, on regarde courir. Le cheval il a été opéré. On va faire une rentrée aux deux pour le remettre en jambe. Mais il a bien travaillé aussi. Donc, faut le regarder. Merci beaucoup. Et ce sera dans la prochaine course Gold du Rabutin. Pour Gotham City, voilà, on a eu des explications avec Guillaume Huguet. Et on continue de suivre toutes ces juments au cours de leurs échauffements. Ouais, pensez, hein, c'est le 9 et le 4 qui dérange. 2 et 5e, 9, 8, 7, 8, 7 sont 2e, 3e, 2 et 5e, le 9 et le 4, j'ai pas. La jument avait fait un numéro, et d'ailleurs il disait clairement qu'elle était en retard de gain. Alors là par contre, concernant la tactique, il va patienter, parce que l'autre jour, elle s'est montrée particulièrement lente. Là il va essayer de la préserver. Voilà, il espère clairement pouvoir faire l'arrivée avec cette jument qui est proposée à une cote intéressante. D'autres infos qui concernent Jiada, le numéro 15, voilà, qui est bien engagé, déféré des postérieurs. L'entourage attend une bonne performance. Et puis méfiez-vous aussi de l'outsider Gamine d'Urzy, le numéro 10, parce que là, les conditions de course sont idéales. Vraiment, la jument ne peut pas rêver meilleur. 13-6, 13-7. Gamine d'Urzy bien placée en effet au premier échelon. 13-7-4, 13-6-7-15, 13-6-7-4, 2 sur 4, différentes formules, 2 sur 4, les gagnants.
Et que voilà, il avait l'air plutôt confiant avant le coup concernant sa jument. Allez, il se rassemble. Ils vont volter dans quelques instants. Gravona s'élance à l'extérieur. Et elle s'élance bien. On est parti sur une hésitation avec Gaïa Durzi, le numéro 9. Gravona donc s'était lancé tout à l'extérieur de bonne manière, avec également Gloria Royal, le 8, à qui s'est bien élancé. À l'arrière, la favorite Gaïa Sutton est très bien partie parmi les juments du second poteau. Quant à Gaïa Dubouffet, elle est en avant-dernière position, juste devant Giada qui ferme la marche. Gravona qui prend la tête pour se diriger vers le tournant. Gloire Royal qui est deuxième. C'est la Kazakh Bleu Clair avec Candor, Girl Dupont, le numéro 7, l'une des favorites devant Calice Tuilerie. Gaïa Sutton est partie correctement. Elle est dans le dernier tiers du peloton, mais elle est parfaitement bien placée. Gotham City est juste derrière elle. Et Gaïa Dubouffet, Kazakh Jaune, est un peu plus en retrait. Gravona qui a toujours l'avantage. Le numéro 1, le numéro 7, Girl du Pomereux qui fait mouvement à son tour et qui vient maintenant à l'extérieur de l'animatrice. Glor Royal est toujours en troisième position le long de la corde, avec également le numéro 5, Galaxy du Loisir, qui est ensuite quatrième. À l'extérieur, Génie Speedy Cat qui vient un peu plus loin, c'est le numéro 3, avec également un peu plus loin Galice Thuiri, le numéro 6, qui suit sur un quatrième rideau. On note que Gaïa Sutton, la favorite, est dans la seconde moitié du peloton, tout comme l'une des favorites, le numéro 12, Gaïa Dubouffet. Girl du Pomereux va se rabattre en tête pour négocier le deuxième tournant. Elle se rabat devant Gravona. Gravona qui précède quant à elle à la corde Gloire Royale, le numéro 8, dans un peloton qui s'étire pas mal en longueur. Gaïa Sutton est dans le dernier tiers du peloton. Gaïa Dubouffet également est à l'arrière-garde pour l'instant. Eh bien, personne ne peut revenir sur les juments de tête car le rythme est assez soutenu. Ouais, le rythme est rapide et depuis le départ et du coup c'est compliqué pour les juments des 25 mètres de revenir pour l'instant. Génie Speedy Cat et Girl du Pomereux, deux juments de train qui sont aux deux premières places, avec également toujours côté corde le numéro 1 Gravona, à l'extérieur le numéro 5 c'est Galaxy du Loisir, en dedans Gloire Royale, le numéro 8 Galice Tuileri qui vient ensuite, alors que l'on a rétrogradé sur faute avec le numéro 10 Gamine Durzi. Gaïa Sutton recolle un peu au peloton de tête, commence à bien entrer dans sa course la favorite, alors qu'il reste un tour de piste à effectuer. Girl du Pomereux est drivé en grande confiance par Eric Raffin car il réaccélère pour prendre la tête devant Génie Speedy Cat, le numéro 3, et devant Gravona Las. Ouais, c'est la cote très basse d'avant-course, ce numéro 7, Girl du Pomereux, le numéro 7 qui continue d'accélérer. Regardez, je crois que les numéros ressemblent aux numéros d'hier. Hein. Sur le numéro 3, Génie Speedy Cat qui tente de se lancer à sa poursuite. Troisième position toujours pour Gravona, alors que le numéro 5 est au galop et que Gloire Royal reste ensuite en quatrième position, faute de Galice Tuileri, le numéro 6 qui rétrograde à son tour. Quant à Gaïa Sutton, la favorite, elle tente de regagner du terrain, mais encore assez loin de la tête. Elle a du chemin à refaire, Gaïa Sutton, mais elle enclenche. Elle refait pas mal de terrain. Gaïa Dubouffet encore également en retrait, alors qu'on se dirige vers le tournant final. Girl du Pomereux continue d'appuyer sur l'accélérateur. Elle est toujours marquée de près par Génie Speedy Cat. Attention toutefois à la favorite Gaïa Sutton qui se montre de plus en plus entreprenante et qui se rapproche progressivement du groupe de tête. Avec Girl du Pomereux qui a l'avantage quasiment depuis le départ, le numéro 7 qui caracole toujours au commandement, la deuxième place pour Génie Speedy Cat, la troisième pour le numéro 1 Gravona, alors que Gaïa Durzi, le numéro 9, ramène sur un plateau le numéro 13. Gaïa Sutton, la favorite, qui va tenter de bien finir tout comme Gotham City et Gaïa Dubouffet. L'entrée de la dernière ligne droite avec le numéro 7, Girl du Pomereux qui a toujours l'avantage. Gravona en dedans avec Génie Speedy Cat qui tente de se rapprocher à son tour et qui vient attaquer les premières. Girl du Pomereux est hésitante à ces instants. Et Gaïa Sutton va peut-être tenter d'enclencher maintenant, mais c'est Génie Speedy Cat qui a pris l'avantage à 100 mètres du poteau, le numéro 3. On termine bien avec également le numéro 3, 8, Gloire Royale qui termine pas mal, qui s'allonge bien, qui prend l'avantage. Girl du Pomereux qui se relance en dedans, mais c'est Gloire Royale, le numéro 8, qui va s'imposer. Girl du Pomereux va être deuxième. La troisième place, 8, 7, okay. Le numéro 3, Génie Speedy Cat. C'est gagnant, ça marche. Également Gaïa Dubouffet, le numéro 2. Arrivé très très disputé et une surprise au passage du poteau, Sébastien Hardy. J'espère que bien se passer, ça ne va pas ou quoi. En signe de victoire avec le numéro 8. J'espère que je comptais sur toi, mon ami. 7 euros devant le 7, Girl du Pomereux qui s'est bien ressaisi. 3, tu vois. Elle conserve la deuxième place. 7, 3, sinon tout est placé, tout est gagnant. Là, j'avais le trio là. Regardez voir. Avec le 15 en plus, c'est le multi, les gars. Regardez le multi, comme il vaut. Regardez le multi, comme il vaut, les gars. Mais... Là, tu peux t'arrêter ta journée là. Ça fait, je reviens de manger là. On fait d'autres courses. On a fait le quintet. On a 2 sur 4. Faut jouer intelligent par contre. Hein. Prendre des pronos, quelqu'un c'est bien, mais il faut jouer intelligent. Il faut choisir la bonne formule et tout. Faut connaître un petit peu le dans le mois ce qui
Il faut choisir comme formule, quoi. Ah, je vous donne les pronos, les amis, hein. Vous jouez. Vous ne voulez pas suivre. Vous voulez, c'est de l'argent. Je te dis pas ça depuis aujourd'hui. Hein. Je te dis pas les courses depuis aujourd'hui, les amis. Victoire surprise donc de Gloire Royale, le numéro 8. Il y avait 8, 7, 3, 4. Je sais pas quoi qui me plaisait, ça faisait le bio. Hein. 7, 3, 4, 15. Non, avec le 15. Il y avait 13 gagnants. Je voyais gagnant 13. Je voyais gagnant 13. Les 2 sur 4, là, il y en a un qui est payé 2 fois et l'autre 3 fois. Non, 2 fois, 3 fois. On regardera encore l'arrivée. Le 8, 7, 3 dans 3 fois en 2 sur 4 et l'autre 1 fois. J'ai pu rassembler mes deux formules, là. J'avais le multi. Voilà. Il y avait 14 en 3 et 13. Il y a 15-7-3-8 qui est bon, ben voilà. Et puis on a une vie également à rentrer dans cette épreuve pour le compte de Rodolphe Collet. Qu'est-ce qu'on joue ? C'est provisoire. Et ben moi je suis allé sur Stéphane Pasqua. Quel numéro ? Des belles cotes, hein. Le poulain a déjà couru sur Sparta. Rien que le 8, tu jouais mes 4 numéros, c'est un peu gagnant. Ou mes 6 numéros là, c'est un peu gagnant. Le 8, il fait 46 euros. Et toi, ça te coûtait ton ticket 6 euros, 1 euro par cheval. Après, tu mets la mise que tu veux. Si tu veux mettre 2 euros, ça va te coûter. Là, il y a 8 chevaux, donc 2 euros, ça fait 16 euros. Tu payes 3 euros, ça fait 24 euros. Voilà. Et ton gain, c'est pareil. Il est multiplié aussi ton gain. Il est multiplié par rapport à combien d'argent tu as mis sur le 8. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les courses. Il y a 8 partants, là, j'aime bien faire des super 4. Les super 4, les trios, j'adore. Bon, généralement, il ne faut pas être trop gourmand. Quand tu fais une bonne série, là, une bonne course derrière, c'est un flop. Direct. Ça, peut-être la jument était en demi-temps ce jour-là, mais je pense que là elle est revenue bien. Il n'y a aucune fausse indication aujourd'hui. Le terrain différent, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a déjà pratiqué à Caille dans un terrain similaire. Elle avait très bien couru. La piste en herbe, ça ne m'amuse jamais. J'aime bien faire des suites en piste en herbe. Mais... au début du mois de février, sur une piste qui était très souple derrière Krishna d'Argent. Hein. D'ailleurs, c'était dans un Méden le prix depuis Ricard. Et puis elle s'est montrée régulière et c'est vrai que l'autre jour c'est une petite fausse note hein, dans son palmarès. Même si là, il nous propose As-6-4-2, As-6-4 pronostic 4-6-3. Moi j'aime bien mettre As-6-4-2. J'aime bien mettre As-6-4-2. De la piste en herbe. 2800 mètres, 8 partants. Le terrain est dégueulasse, il a plu toute la journée depuis une semaine. Il faut le faire quand même. Enfin, bref. Après, c'est ce que je disais ce matin. Hein. Jouer au fond, là, jouer au fond. 7-8, là, 8 partants, on joue 7-8. On joue As-2. Le terrain est collant, c'est dégueulasse. On peut retrouver 7-8, 7-8-3 de la course d'avant. Hein. Le favori. À 7-8-3. À 6-2-4, à 7-8-3. À 7-2-5. Non, il n'y a pas de 5. À 7-2-8. À 7-2-8, c'est pas mal. On a envie de parler du 6. On va regarder comment il est. Mais... on a envie de faire 7-8 As.
Pourtant, ce n'est pas des numéros qui ressemblent, qui vont ensemble. Mais... Le fait que les chevaux vont venir à l'extérieur, comme ce fut le cas dans la première. 8-7-3-15-2. La victoire surprise de Wizzy. 8-7-3-15-12, la course d'avant. Galetano, le 3. Ça veut dire quelque chose. 7-3-15-12. Zalona, Galetano qui vient de remporter sa première course à Strasbourg pour sa 4e sortie. 7, ça fait 15. Déjà couru à Compiègne. 15, c'est pour la deuxième tentative de sa carrière. C'est un cheval qui s'imposait dans 9 et 7, 16, moins 1. 7-2-1. De façon assez conséquente. 4-2-1, on a envie de parler du 6, du 3. Là. On a envie du 6 ou du 3, là. 6-3-2-1. Un cheval qui aime attendre et qui est capable de bien terminer. C'est en tout cas comme cela que cela s'était passé dernièrement sur l'hippodrome de Strasbourg. Valeur 35. 3-2-1, 6,10€. Ça fait cher parce que j'ai envie de mettre. De nouveau une valeur 35. Pour ce concurrent associé à Stéphane Pascal, qui connaît également l'hippodrome de Compiègne et ce tracé des 1800 mètres, puisque pour son avant-dernière sortie le 23 avril, il avait terminé 5e ici même. Tout près dans le. Il y a As-3-4-6 avec le 2, As-3-4-6 avec le 7. C'est vrai que sa 5e place ici même est bonne. Il y avait un bon poulain, Moai, pour Pascal Barry qui s'imposait. Là, dans les côtes, il revient quoi? Il revient du 6-7, du 3-2. Le favori, il est à 2,8, c'est pas non plus un favori vraiment. 2,8, ça fait un peu cher pour un favori. Le 4, c'est le deuxième favori, ou R3C2, on prendra le 3. On va peut-être prendre le 3-2, R3C2, on va peut-être prendre le 3-2, les deux collants. On met 7-2, 7-7-2 quoi? A7-2-4, A7-2-6, A7-2-3. Au niveau des courses de groupe. 2,60€ pour la 10. Et nous retrouvons Galetano. Pour les super 4, A7-2-4, A7-2-6, A7-2-3. Petits numéros hein, sont sous les 10 contre 1. Et puis ensuite, nous avons les numéros 6, 7 et 8 qui sont à 11, 11 et 14. On a peut-être cette formule avec. Partant, des fois, on a 7, 4 et 8, 3, 5. Là, il n'y a pas de 5. On a peut-être à 7, 4. Et on a peut-être 3, 2, pardon. À 2 ans, une 7e place. On a peut-être un 7-4 en. Partant, on peut le passer à 7-4. Ensuite à Cholet, 4e de Well and Chouli. Et puis une tentative à Châtillon sur Chalaronne. Alors sur 1, 2, 3, sur une distance totalement différente, hein, il y avait 2600 à couvrir. On fait 2-7. Là, c'est le favori, il est à 2-7. Valeur handicap de 34. On prend 2-7. En favori, on prend là. 2-7-As, ça me paraît bien, couplet les placés, couplet les gagnants peut-être, 2-7-As. Après, c'est ouvert. Ça va arriver ensemble. Ça va arriver collé. C'est compliqué, Stéphane, un super 4 très ouvert, c'est vraiment dur de rire dans cette épreuve. Pour le numéro 2 innovateur, l'autre jour, il n'était que 5e et Jules Maubian, qui le connaît, me dit qu'il va changer un petit peu ça. Sa façon de le monter, hein, c'était vu avec Nicolas Collery, c'est-à-dire qu'on va reprendre à zéro, on va le monter patiemment, le monter off, hein, qu'il soit bien décontracté, bien détendu, bien sûr, on ne s'interdit de rien, mais sachez qu'aujourd'hui, il va vraiment être monté patiemment, et sachez également que Nicolas Collery a un doute sur l'état du terrain. Je rappelle que la piste est très souple. 1, 2, 3. Les appréciations des différents jockeys, il y a un doute quant à l'état du terrain, sur l'aptitude à venir. 1, 2, 3, couplet les gagnants. 1, 2, 3. Bien, mais il va surtout être monté en position d'attente aujourd'hui. À savoir que Clément Lecoeuvre vous a dit, Guillaume, hein, sur 1, 2, 3, couplet gagnant, 1, 2, 3, 4, alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, trio. 1, 2, 3, 4, trio. C'est fermé, 1, 2, 3, 4, trio. Poser la
la question d'autres jockeys, il y a d'autres sons de cloche, on dit que c'est collant. Donc, en fait, il y a un terrain, mais il y a 10 avis différents. Disons que quand on monte un peu de pétrole, je pense que la piste semble un petit peu exactement moins lourde. Quoi. C'est ça. Je pense très sincèrement que les chevaux de terrain lourd aujourd'hui vont être avantagés. J'aimerais votre avis, Stéphane, oui, sur le cheval de Fabrice Chappé, numéro 6, Second to None, qui l'autre jour m'a fait vraiment bonne impression. D'accord. Par la valeur du multi, pour devant un C5. Le multi en 4 à 1638, multi en 5 à 327, multi en 6 à 109 euros. Pour 1 euro de mise, on va rapporter 109 euros. Et comme ça, en 2 minutes, hein, t'as vu. De 2 sur 4, il y a 47 euros encore. Il est payé 3 fois d'un côté, puis une fois de l'autre. Déjà, avec le 2 sur 4, on est bon. De 2 sur 4 à 47 euros à Vichy, on adore. Il y en a pour le quintet, il y en a pour le. Il y a un C5, un P4. Continuez comme ça. Très bien né, parce que vous vous rappelez peut-être de sa mère Magic America, qui était entraînée par Cricketed. Il y a pas une petite image pour monter la joie. Je déconne. Sa mère en tout cas l'avait montré des moyens en terrain très souple. Si j'ai chargé l'image peut-être. Et vous permettre de vous diriger vers le guichet. Les baraques. Vers les baraques. Mais attends, il y a pas un truc, j'ai jamais la retrouvé. Le cheval est malchanceux. Là je tombe sur des images que justement je cherchais. Parce que parfois vous avez des chevaux qui sont malheureux, quand ça s'ouvre, hop, ils vont pas plus vite. Mais ça n'a pas été son cas. Et c'est vrai que l'engagement est excellent. Voilà. Au vu de sa valeur, au vu de la décharge donnée à son apprenti. Il y a 7,90 euros. Je vous le tamponne. Vous me le tamponnez ? Eh bien, vous me faites plaisir. Oui. Et bonjour à Strasbourg. Ah, certes, il n'était pas ce jour-là parce qu'il ne fait pas trop bien l'Est, hein, le garçon, mais sachez que l'autre jour, l'impression visuelle était plutôt bonne et il m'a dit qu'il allait le monter en confiance. Donc, la petite jumelle. Normalement, il faut mettre une petite vidéo, c'est pas une photo comme ça, mais il faut retrouver les. Faudrait que je télécharge des images pour mettre sur le stream. Et le coup, créateur, c'est quoi ça? J'en ai téléchargé, mais apparemment, je me suis mal appuyé, ça m'a appuyé. Tellement un chien en PC que n'importe où. Il charge des trucs, mais il n'y a rien qui fonctionne. C'était dans quelques instants. C'est à l'aise partout, mais tout ce qui est Compiègne, Le Croisé-la-Rosse, Amiens, Chantilly. À un moment, tu fais des petites vidéos comme ça, tu les mets sur fichier image, et tu peux la sortir. Je me demandais si vous étiez également à l'aise sur l'hippodrome de Vichy. Et je pense que vous l'êtes également. Beaucoup moins. Bon. Ça remonte à quelques années désormais. Une grande semaine avec Jefferson. Ah oui. Exactement. Il y a un truc qui est censé être moi en emoji, mais je change d'emoji. On va prendre celui-là quand même. A été mis à Galetano qui fait des siennes. Hein. Il était déjà un petit peu énervé au rond de présentation. On va mettre celui-là, regarde. Excité également là-bas derrière les boîtes. C'est pas loin d'être le poulain le plus plaisant au rond. Hop. Le cheval qui a plu donc à Michael Barzalona qui a dû regarder sa course de référence à Strasbourg. Toujours pas le chat, hein. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux encore. Par la performance du fils de Dream Ahead. Innovator, le 2, Jules Maubian. C'est le 2 pour Nicolas Collery. J'allais dire qu'il se montrait rétif. Ce n'est plus le cas. Faudrait que je mette une image à chaque truc. Et, comment on les met en mémoire des images, je sais pas. Le prix du Puy du Roi, c'est la deuxième.
deuxième course du programme, 1800 mètres à parcourir. Avec OBS, mais... C'est très bien parti à la corde, la casaque verte, ceinture blanche, bien parti. Chez Image, hein, c'est ça, non, non. Ah, faudrait que je mette sur les scènes. On retrouve également le numéro 8 Kitu Bobby qui est à l'arrière-garde et vient avec Chicho Boy pendant que le 2 Innovator est en dernière position d'un petit peloton qui pour l'instant galope au centre de la piste. Un peloton... On prend toujours une gamelle après le, un bon gain. Après des bons gains, on se gamelle toujours. C'est trop gourmand sur la formule. Alors que le 2 Innovator est toujours en dernière position. Les concurrents qui vont maintenant sortir du tournant sous l'impulsion de Ladiz avec Inouville qui est deuxième et le 3 Galetano qui vient troisième alors que le 6 Second to None est en quatrième position devant le numéro 8 Kitu Bobby accompagné en retrait par le 4 Chicho Boy et par le numéro 2 Innovator qui progresse maintenant en dehors. Ladiz a le meilleur avec Inouville et le numéro 3 Galetano accompagné en quatrième position par Second to None qui tente de venir maintenant à l'intérieur des premiers. Ladiz avec Galetano avec Second to None ou encore Inouville pendant que le numéro 8 Kitu Bobby essaie maintenant de se frayer un chemin avec Ladiz qui répond encore à Galetano qui vient maintenant de plus en plus fort à l'extérieur. Ladiz Galetano, Ladiz qui repart avec Galetano à son extérieur. Ladiz Galetano est en troisième position. Innovator devant le 8 Kitu Bobby. As 3, 2 et 8. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course remportée par l'As Ladiz, la favorite qui s'impose pour l'encadrement de Jean-Claude Rouget. As 3, ok. As 3, 2, tiens, trio, c'est bon. Le 2, il passe, vous êtes sûr? Ouais. C'est moyen. As 3, 2, s'il te plaît, As 3, 2, en trio. J'ai dit que c'était difficile à déchiffrer. Regarde cette arrivée serrée qu'il y a. 3-2, ça passe. Yes. Rio. Adopté. On regardera la cote qu'il fait. Je pense qu'il va faire du 30 euros. Il va peut-être faire 30 euros, peut-être. 32 euros. Pour la mise minimale, hein, je parle. Chez PMU. RAC6. Attends, je bois un coup. Du café, s'il me reste un peu de café. Sinon, je vais boire. Ah merde, faut que je retrouve ma. Au ticket d'Anthony. Sachez qu'il y a seulement deux chevaux qui vont partir au premier échelon. Là, c'est le 2. Ils sont complètement abandonnés par les parieurs. En revanche, on a un cheval qui est écrasé d'argent et c'est peut-être pour ça qu'on a des cotes aussi élevées. C'est le bon code. C'est Gentle Dream. Derrière, en revanche, les chevaux sont beaucoup plus joués. R1C6. Vichy. R1C6. Prix Hippo Center. Il y a 2950 mètres. Ah bah tiens, je vais remettre le logo Win. Bonjour Anthony. Bonjour Manuela, bonjour à toutes et à tous. On va remettre le logo, l'image. Merci. C'est parti, qu'est-ce que vous tiquez ? On passe. On va commencer avec un couplet gagnant placé en 3 chevaux. Je n'allais pas vous proposer Gaz d'Ocagne. Yes, on fait du blé. Même si pour moi, c'est vrai que c'est le cheval de la course. On fait du blé, les gars. Du coup, il a tout pour plaire. Il a eu chaud la dernière fois quand même, puisqu'il a galopé avant de bien se relancer pour gagner. S'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, je vois pas trop par qui il peut être battu, même si Goutte de Tillard est irréprochable depuis qu'il est arrivé dans les boxes. S'il vous plaît, les gars. Rivard,
et puis numéro 3 également, qui a une belle carte à jouer, c'est Gamin des Îles. Voilà, ces trois-là associés. Et puis, en ticket offensif, on va tenter un super 4, flexi 50% dans tous les ordres, avec 4 chevaux. Je rajoute le numéro 4, Gentle Dream, qui est capable de très bien terminer à l'issue d'un bon parcours. Voilà, ces 4 associés. 3, 4, 7, 9, dans tous les sens. C'est ça. Et ça nous coûte 12 euros en flexi 50%. Direction l'hippodrome de Vichy. Allez, on part. Ma jeunesse, j'ai toujours adoré les chevaux. On le met aujourd'hui dans les meilleurs sportifs de l'histoire. L'aventure humaine, elle est incroyable. On a deux courses bonnes. Avec le quintet, 3 courses. Ouais, je joue pas le quintet, mais la formule 2 sur 4. Intéressante, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de partants, mais on a deux chevaux qui semblent avoir un peu de marge. Gaz d'Ocagne, le grand favori. R1C6, c'est 2950 mètres. 9 partants aussi. Deux grands favoris donc au départ de ce prix de Lille. Chevaux entier, ombre de 5 ans, recul de 25 mètres. Sixième rendez-vous. Regardons une course de référence pour commencer notre étude avec Gaz d'Ocagne. Le pronostic de PMU, c'est 7-9-6-3-4. Estimé par Gilles Curens, qui a eu un petit coup de moins bien au cours du meeting d'hiver. Et vous avez vu, il fallait être vigilant. Hein. Et qui ensuite, on disait que le recul de 25 mètres comme piste en herbe, on aime bien faire des petites suites. Il faut savoir où le placer. De la charrette, on sait qu'à Vichy, ça se gamelle. Il y a des cotes à 40 euros, sinon 35 pratiquement. Après, ça descend à 30, 20. Vraiment en dessous, après. 9. Ça fait longtemps qu'on a eu un favori qui n'était pas au rendez-vous, enfin qui n'était pas dans l'arrivée. Donc, on a affaire à deux favoris logiques selon vous. Ça va se passer maintenant. Est-ce que le favori va faire une faute, j'en sais rien. Ça devrait se passer entre ces deux-là, sachant qu'il y a est vraiment petit pourtant. Ça va se permettre un peu plus de choses dans un parcours. Peu de partants, est-ce qu'on pourrait assister à une fausse course, une course tactique? Oui, c'est possible. C'est possible que un favori. Nous, on fait le 7 en. À Gaz d'Ocagne. C'était 1,7. Hein, avec en last, ouais. La précédente, la favorite, elle n'a pas mal couru, mais elle n'a pas pu. Ouais, 9 et 8, peut-être. Donné le coup de rein, ouais, 9 As. Les premières places. As 7, ça fait 8 aussi. Ouais, 8 As, ça fait 9 aussi. 7, 2, ça fait 9 aussi. Avec le 8. 7, 2, 9. 7, 2, 8. 7, 2, 8. Tu vois, le 8 est à 7, 2. 27 contre 1. Ce que je veux dire, c'est que 8-2, non, et un C6. Avec le 2, on peut le faire comment? Enfin, de quoi? Le 8-3, alors, 8-3-11. On a peut-être 8-3-7-4, 9-8-3-7-4. Non, on parle plus de suite. Voilà, c'était court. 4-5, ça me paraît pessimiste, moi. Ça me paraît un peu pessimiste. La distance, c'est quoi? Ouais, il doit considérer que les deux favoris seront devant lui. Ouais. Et puis ensuite, il y a quand même Gentle Dream, qui est une chance correcte. C'est long, 3 km en daté. Déféré des 4 aujourd'hui. 15 euros. Qu'est-ce que ça veut dire R1C6? Depuis le début de la réunion, commence par Sébastien Hardy qui lui a parlé de Greg Deslandes, le numéro 2. Greg Deslandes dans la 6ème. Derrière, c'est des chevaux de classe, on est que deux devant. Là, pour le mettre, il va falloir du 5 sur 5. Très peu de confiance dans les propos de Sébastien Hardy. En même temps, vous avez vu l'écart de gain entre les deux chevaux de tête qui ont 14 000 euros. Et les chevaux des 25 mètres qui ont pour le moins riche 46 000 euros et pour le plus riche 58 000 euros, c'est pas la même catégorie. Alors, merci Philippe. Il y aura également Gold du Rabutin qui n'a pas été revu depuis le mois de janvier. On regarde courir seulement. Ouais, on regarde courir. Le cheval il a été opéré. On va faire une rentrée ou deux pour le remettre en jambe. Mais il a bien travaillé aussi. Il faut le regarder. Oh, il est plutôt pessimiste également. Donc pour l'instant, personne pour éventuellement avoir des ambitions face aux deux favoris.
notamment face au favori Gaz d'Ocagne. 2 plus petite cote, c'est 2 et 9, mais je suis embêté parce que je sais pas s'il faut compter dessus ou pas. Ça fait 2 et 2 points. C'est obligé qu'il faut compter dessus, mais lequel? Pour démarrer le calcul, en choisir un. Gaz d'Ocagne, c'est 7, une écurie. Les d'Ocagne, c'est une écurie, mais. L'arrivée d'avant, on a quoi là? Donc, du coup, je lui ai mis des bandages pour bien le protéger. Même si je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment ça. Mais bon, voilà. Il a des bandages par rapport à la dernière fois. Sinon, je n'ai rien changé, sauf le driver. Les grands favoris, que pensez-vous du lot qu'il affronte aujourd'hui? Moi, j'ai fait un super équipe. Alors, à la calcul. Je trouve que le mien, il est archi. 7.9. Celui à Mathieu, moins. Je ne sais pas s'il y a tant d'écart que ça. Surtout que Mathieu arrive sur l'eau. Ouais, quoi. Donc, je trouve que le mien est beaucoup joué par rapport à celui à Mathieu. Maintenant, c'est vrai que le mien, au papier, il vient de marcher 13-8, il a une première chance. Mais à mon avis, celui à Mathieu, il ne faut pas le sous-estimer parce que j'ai regardé la vidéo de sa dernière course à Nantes où il gagnait vraiment arrêté. Comme je l'ai vu aussi, voilà. C'est un super 4 qui va faire au moins 2000 euros, ça. Le 3 est là, c'est vraiment intéressant. Le 6-3, c'est vraiment intéressant. Le 6-2-3. Par le favori, 7-6-2-3. T'as le 3, il a monté un petit peu la cote. 7-6-2-3, mais c'est le 9 qui est perturbant là. La gamin des îles qui est le 3. C'est le Kavichi, ça se gamine quand même. Alors, est-ce que le 9 va gaminer? 7-6-2-3, 7-9-2-3. On va prendre les derniers de la course. Pour le 7-8-9, on prend le 7-9. On prend les dans les premiers. Si on prend 7-9, on peut prendre l'As. On prend l'As 6 ou As 3. Le 7-9, As 3, 7-9, As 6. Hein? Si on prend les plus petites, on peut prendre la plus grosse, hein, là, ça. Il est bien. On est compétitif pour les 3-4 premières places. Oui, il est en forme. Des fois, par temps, c'est pareil. On a du 1-7-4-8-3-5 en combinaison. Avec le 2, le 6-1-8-8. Sinon, 9-6-1-6-1-2-4. On recommence 7-6-2-3 comme l'arrivée d'avant. Bêtement. Il y avait l'As déjà avant, mais. Il y avait 7-2-3 l'arrivée d'avant. Ici à l'hippodrome, il y a cette scène qui. As-3-2-8 et. Il y avait les 3-8 têtes que je te disais qui me plaisaient bien dans C5 et après C2, ils tombent. Aujourd'hui, eh bien, c'est un concert avec 3-2-8. Qui n'en est pas à son coup d'essai, hein, d'ailleurs, les gens, les professionnels du galop l'ont déjà vu à l'œuvre. On a trois fois. Oui, c'est clair. Hein, et on a l'habitude de le voir, bien sûr, dans son costume d'entraîneur également, consultant. Et puis, à 16h, il est également musicien et chanteur. Donc, il donnera une petite. Ça veut dire quoi, 7-9 un petit conseil ce soir après les courses. Hein. Vous savez qui va faire la première partie de la de Nicolas Colery. C'est un imitateur. Non, c'est pas vrai. On prend 7-9, ça fait 16 déjà. Non, c'est des blagues, c'est pas vrai. 6-1, ça fait 5, ok. 7-9. On fait 5 avec 7-9. 7-9, c'est pas mal. Voilà, on prend 7-9. Comment on fait 5 là? 2-3, on fait As-4. On fait quoi? On fait 6-As. 9-6-7-As. 9-6-7-As. L'antenne, 6, il a 15 euros.
cases de gagne. Deux chevaux qui sont donc extrêmement très, très chauds favoris. Ça serait la logique. 7-9-3. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à inventer. Qui pourrait les empêcher voilà, s'il n'y a pas de problème bah, de parcours, oui, pour vous, on c'est jamais. Hein, Gazdokane, on l'a vu faire une faute tout à l'heure, enfin, lors de la course référence, juste avant le poteau à Damier. Donc rien n'est jamais fait d'avance. Mais je vois pas pourquoi ça serait ça. Ici c'est Golo du Rabutin, Guillaume Huguet était sur la réserve. On rappelle que Sébastien Hardy était sur la réserve également pour Christophe. Donc on a deux chevaux dont les chances paraissent secondaires. 7-6-4, ça me plaît bien, 7-6-4-9. Pour Giacomo Boy, ce sera très 7-6-4-3, 7-6-4-9. Ah, c'est trop tard pour le mettre. Il va y avoir un faux départ ou quoi? Et c'est parti avec un bon départ du favori Gazdokane qui est bien parti à son échelon, mais les deux chevaux de tête profitent de leur avantage initial et c'est Giacomo Boy qui est le mieux parti, le numéro 1 devant Greg Deland, le numéro 2. Pas trop gourmand, on va couper les gagnants. Ensuite à quelques longueurs avec Gazdokane, le numéro 7. C'est déjà la partie, c'est trop tard. 7-6-4-3, 7-6-9-4. Moi, je suis désolé, j'ai donné trop tard, mais là, j'avais pas vraiment d'illumination, de ressenti, je sais pas quoi, là. 1-3-2 en trio, la course d'avant fait combien? On peut parler de 30 euros, combien il fait? Non, il fait 16 euros. Bon, je sais même pas s'il rembourse le ticket. Allez, obligatoirement le faire tous les ordres ou quoi? Non. Super 4 à 390, la vache, c'est dommage. Je pensais qu'il allait faire 2000 euros. Non, c'est celui-là, je pensais qu'il va faire 2000 euros. Ah, il y a 7 as de 9. J'étais pas rassuré que la valeur de l'as, mais. Si tu mettais les plus petits. 9 as, 7 6, ouais, 7 9 as, c'est pas mal. Merde. Les deux favoris, les deux grands favoris qui viennent très fort devant les tribunes. Alors Gazdokane passe en tête et que va faire Mathieu Abrivard? Elle va réussir à prendre son sillage. Bah, c'est parfait pour Mathieu Abrivard. Et les deux favoris donc qui prennent les choses en main. Il a sa bonnet. Il va y ouvrir son bonnet ou pas? Ouvre-lui son bonnet au bon moment. Ouvre-lui le bonnet au bon moment. L'allure est propre, l'allure est propre, nickel. En deuxième position, à l'extérieur se rapprochant maintenant le numéro 6, Gitano de Féline. En quatrième position, sur un troisième rideau côté Cordelas, Giacomo Boy, avec Gamin des Îles qui se fait ramener dans le sillage de Gitano de Féline, avec également un peu plus loin Greg Deland, avec aussi Gold du Rabutin, Gentle Dream qui ferme toujours la marche avec Glamour Eagle. Crafin en tête avec Gazdokane, Mathieu Abrivard bloqué dans son sillage avec Goutte de Tillard au centre. Les courses qui se passent aujourd'hui, les amis, c'est un Vichy aujourd'hui. En live, je retransmets Equidia. Avec Gamin des Îles, avec Glamour Eagle qui progresse à l'extérieur, Gold du Rabutin qui effectue sa rentrée, et là un peu plus loin le numéro 5 avec également Giacomo Boy, moins de 500 mètres à parcourir maintenant, le sprint qui est lancé avec Gazdokane le numéro 7 qui a toujours l'avantage de grand favori, avec Gitano de Féline qui est en deuxième position, Goutte de Tillard n'a pas l'ouverture dans le sillage du favori, Giacomo Boy qui est là ensuite avec également Gamin des Îles qui sprinte pas mal, là à 150 mètres du poteau avec Gazdokane qui tient dans la boîte, Goutte de Tillard le numéro 9 qui est en troisième position puisqu'il y a Gitano de Féline qui est deuxième, on accélère maintenant avec Gazdokane qui va
va renouer, qui va tripler la mise même, d'autant plus facilement que le numéro 9 est au galop. Goutte de Tillière, la deuxième place pour le numéro 3, Gamin des Îles. Le 9 est qualifié ou pas? Il est assuré de la deuxième place. Gaz d'Ocagne s'impose. Eric Raffin jouait le coup tactiquement. Il a laissé au chaud. Bien, bon, c'était bien. Il a fait sa course en tête tout le temps. Non, le 7-9, voilà, il s'est remis, tout de suite. L'allure a été remise tout de suite. Ouais, il l'a enlevé. Cette histoire, il y a trio quand même, cette histoire. Il laisse son principal rival au chaud, mais il est aussi fair play. 7-9-3, cette histoire. Oh putain, le multi, on va regarder le super cas comme il fait, mais. Les gagnants, d'un côté, oui, de l'autre côté, trio, comme mon prono. L'autre trio, il n'y a rien. L'autre, la coupe est placée, mais couplet gagnant. Et trio avec l'autre 7-3-6. Le 4 est un peu loin. Là, je m'en doutais que là, c'était bon. Il y avait A6 et AC6. C'était le 9 qui était perturbant. Regarde ce qu'il nous fait à la fin. Il s'est emballé dans l'allure et il a été disqualifié à la fin. Le trio est bon. Le trio est bon. 7, 3, 6. On regardera, il devrait être sympa, à part que le favori va bouffer pas mal de gains. Comme il est en tête, il a fait sa part. Mais 3-6 sont bien riches quand même, on verra ça. Le 3 est à 15 contre 1 chez moi, là le 6 est à 15 contre 1. J'avais peur de l'as, de mettre l'as. De parler de 7-6, 9-as, 7-6, 9-as, 3, 7-6, 9-as. C'était la piste en sable fibré. King Nonantais, le 8, fait partie des possibilités. Je vous laisse. Après, ça fait cher de faire tous les tickets, c'est pour ça que je t'en propose un sur le commentaire. Qu'est-ce qu'on fait dans celle-ci ? À 7-6-3, le trio, il est fait. On verra comment il fait. Bon, ça fait 3 courses, on est bon. On va remettre le logo. Les billets, les amis. L'image des billets. La cote est belle et puis je vais lui associer les autres candidats et puis on revient à réclamer qui a souvent bien fait dans cette catégorie et puis numéro 2 également. On est bon les amis. Est assez régulier dans l'ensemble. Ouais, ce sont les chevaux qui partagent la position de co-favori hein, à ces deux. Puis bon, pour avoir un peu de cote, vous avez proposé ce numéro 9, Gâteau et Maria. Merci Anthony, on va se rendre sur les pommes de Compiègne. Je vous souhaite à tous. On n'a pas en R3-7-3. Commande de l'émission, Jérôme Hulot. Ça fait combien de temps que je suis en live? Ah, ça fait trop longtemps. Prix de Carlepont, donc la troisième. De toute façon, c'est 2h. 2h15, je suis en live. Je vais faire d'autres courses et puis je vais arrêter. Regardez pour demain aussi. Après, je suis sans arrêt en train de régler le PC, de regarder le live, de le partager partout. Mais. En fait, j'avais envie de faire à la place, faire les pronostics, mais j'ai pas le temps. Faire les partages et tout, c'est un travail. C'est pour ça que ces deux récentes sorties sont moins bonnes. C'est un travail. Faire les pronostics, faire les partages. D'ailleurs, il faudrait qu'on soit plusieurs, mais. Merde. J'invite des gens à venir m'aider à faire ça. Le fait qu'il ait été battu la dernière fois lui permet de rentrer dans cette course. Hein. Le cheval a été baissé au poids d'une livre. Il faut être à une valeur égale ou inférieure à 34 pour rentrer. Au départ, il travaillait gratuitement parce que j'ai pas de monnaie. J'espère faire un temps avec lui. Il faudra qu'on mette ça en place. Bon, du plat à 2400 mètres, pour cette fois qu'on gagne. Du plat, ça arrive tout le temps, c'est resserré. Là, il y a 2400 mètres, donc ça va.
la distance entre les premiers et les gagnants. Et les autres, ça risque d'être un peu plus long, un peu plus écarté, mais 4.73, 2400 mètres, 10 partants. Compiègne, Pierre-Lepont. As-3-2, le trio, combien on a dit qu'il faisait à 16 euros hein, la course d'avant. 4.C2, il n'est pas payé bien cher. Pour 1 euro, ça a rapporté 16 euros, mais merde. 4.73, R1-C6, on a trio aussi, on verra comment il fait. On regardera vite fait le multiple pour voir combien on aurait pu faire. Pêcher ce 9 là. 7-9-6-3, ça aurait passé, ça aurait fait du bien aussi. En Super 4. Je ne vais pas proposer Super 4. Pour ce représentant de Claudio Marzo. Alors, le pronostic 4-3-7-3 de Equidia, c'est 2-9-3-5. On a quoi? On a terrain collant, ouais, c'est terrain collant, c'est 2400 mètres. Bon, bah, Compiègne, et puis au début de la journée, on aime bien mettre les derniers et les premiers. On a toujours des surprises, s'ils sont bien cotés. S2-9-10, un truc comme ça. S3-Compiègne, S2-9-10. Sinon, on prend 6-9, sinon on prend 3, 1-2-3, ou As-3-10, quoi. 3-10-2. Par contre, c'est du plat, alors le 5 est coté à 11 euros. Ça serait peut-être du 3-8-5, sinon. Du 7-5 de As, ou du 8-3-5 As, ou du 1-2-3-10. 2 sur 4, il faut choisir. Ou As-7-4. Le 4 à 22, mais... c'est un bon cheval. Ah, c'est quoi, c'est de la piste en herbe ici? Je me suis acheté un clavier, la Riser, mon petit gars, il est pas mal. C'est illuminé et tout là. Non, c'est un Corsair, pardon. C'était en terrain lourd, c'était sur 2400 mètres. C'est un Corsair, pardon. C'est pas une non-chance, hein, cette pouliche. Peut-être que... Non, c'est un Corsair. Il fait des lumières et tout au milieu et j'avais un problème pour frapper sur l'autre. Ça avait un truc qui marchait mal, mais pour mettre le point, ça marchait pas. Faire la flèche et le point, ça marchait mal. La piste en herbe, faire un collant, prendre à gauche. C'est 2400 mètres, terrain collant, en herbe, cœur de gauche, 2400 mètres. Il y a des cotes petites. Ça serait quoi la configuration de la valeur du 2 sur 4 ou du trio là? On peut se taper un trio à 150 balles avec une belle cote, genre 7-4, ou sinon on se récupère un trio à. Un trio ou un multi-4, on peut prendre un 2-3-4. On fait un 2-4, un 2-3-4. On merde pas. Ou un As-2-4-5 ou un 2-3-4. Un 2-3-5. As-2-4-5, 1-2-3-4, qu'est-ce que ça veut dire ça? As-2-4-5, 1-2-3-4. As-2, ça fait 3-4, ça fait 7-2. Tout à l'heure, je vois qu'il me rentre, mais sachez que la jument est en forme, elle a son terrain, sa distance. Ouais, c'est 7-2-5-As. C'est le fameux 7-2-5-As. 7-2-5-As-3. C'est le fameux ici. 7-2-5-As-3. Son approche.
l'apprenti l'avait laissé glisser et ensuite elle avait perdu les places tout à la fin. Mathieu Boutin avec Guillaume. Pourtant Compiègne 2400 mètres. Moudir peut bénéficier de la forme de la maison pour gagner cette course. 2400 mètres Compiègne. C'est embêtant, c'est que ça soit la course R3-C3. Ça veut dire quoi R3-C3? En moins 3, c'est 0. C'est 0. 10 et 5. 10 et 5, ils font 0-0. R3-C3, c'est soit 1, soit 6. 3-6, c'est 3 moins. 3 divisé par 1. 3 divisé par 3, ça fait 1. 3-6. Donc ça fait quoi? Ça fait. Quand on prend l'as, c'est 10, c'est 5, as 10, 5, 2 as 10, 5. Alors. On ferme avec ça, 2 as 10, 5. On ferme avec ça, 2 as 10, 5. 9 as 2, 9 as 2, 9 as 2, 5, 9 as 2, 3. Ah, maintenant, on a 9 le favori. Ah merde. Attends, il y a des chevaux gris là, on va regarder les chevaux gris, quoi. Comment ils se prénomment. En numéro, quel numéro ils ont les chevaux gris là. C'est toujours intéressant à mettre en plat. Non, tu les verras jamais en attelé. On voit quelques-uns en plat et généralement on regrette pas. C'est quoi les chevaux gris là, les numéros? J'ai pas vu. On va rien prendre, ça sert à rien de jouer celle-là, on va rien prendre. Mon ticket vaudra plus cher que Téguin. Il y a le 8, il y a le cheval gris, le 8. Oh non, je peux pas la faire celle-là, je crois. 8-9-2-As. Mais les favoris, j'ai pas choisi. 9-2-As, 8-9-2-3, 8-9-2-3, 8-9-2-3. 2 sur 4. Les gagnants, peut-être, les gagnants. J'ai pas les couilles pour faire un trio là. Les gagnants placés, j'ai pas mieux placé sur mes cartes. Combien on fait trio la course d'avant là? À 17 euros aussi, 736 la course d'avant, 17 euros aussi. C'est petit. Il n'y a pas trop de décalage quand même. Généralement, je donne, mais je viens de partir avec le décalage. Vous recevez le. Quand vous recevez le départ sur la vidéo, c'est déjà parti en fait. Et c'est regrettable parce que je donne vraiment mon prono à la fin. Donc. Il y a ensuite en cinquième place à la corde le 4 History Shop qui vient devant l'As Urban Rock, devant Glim qui est patiente, devant le 8 King 90 ainsi que le numéro 5 Arucha, alors que Getaway Maria est toujours en dernière position. C'est ma dernière, après j'arrête. Avec Moudir qui a le meilleur devant McQuay, accompagné en regardez pour demain. On va finir sur un 0. Rien à voir. Alors que le 7 Glim met toujours l'arrière-garde avec le 8 King 90 et Getaway Maria, le numéro 9 qui est en dernière place. Les concurrents sont maintenant.
Il va finir sur un vide. En avant-dernière position et Getaway Maria, le numéro 9 qui est toujours en dernière place. Ils vont sortir du tournant alors que Moudir accélère avec une longueur maintenant devant Montciel étoilé, Macway se rapprochant à l'extérieur. Devant le 10, Clever Duchess qui est quatrième, Mystery Chop est cinquième. Devant le numéro 9, Getaway Maria ainsi qu'Urban Rock. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Moudir qui compte maintenant plusieurs longueurs d'avance sur Montciel étoilé, Macway, Clever Duchess, History Chop également. Glim, le numéro 7, a plongé à l'intérieur. Moudir qui vient complètement à l'extérieur avec Karusha qui se rapproche maintenant. Urban Rock. Regarde la ligne. Regarde le long. Regarde le long de cheval blanc. Glim qui est à la corde. King 90. Ah non. Moudir est à l'extérieur. Demi-lieu. Le 8, ok, l'As, et c'est pas le 4ème, 8 As. C'est quoi à côté là, du 8, du 5, en 5, hein. Il semble effectivement que ce dernier se soit imposé en décidant de venir plutôt à l'intérieur et dans devançant Glim le 8 à 3, ok. 8 à 3, 2 sur 4, il est ok. Finalement, il n'est pas si dégueu que ça. Trio, il n'était pas déchiffrable. Tous les gagnants, 8 à 3, non. Vous pouvez le placer, c'était 8 3 non plus. Ouais, 2 sur 4, hein, c'est bon. J'ai trop poussé les formules. 2 sur 4 suffisait, c'était indéchiffrable. Trop confiant. On regardera 8 à 8 3, ce que ça fait en 2 sur 4. Tu fais 4 numéros en 2 sur 4, t'as tout de suite pour 18 euros. Ça fera plus de 18 euros pour te rembourser la mise minimale. La mise minimale d'un 2 sur 4 à 4 chevaux, c'est 18 euros. Voilà, si c'est remboursable, ça risque d'être limite. Et puis une finale, il y aura donc 6 qualifiés dans la première éliminatoire, 6 qualifiés dans la... Bon les amis, je vais essayer de faire une fin pas trop dégueulasse. Et puis je vous dis à demain. J'ai pas les moyens de partager sur Facebook. Pourtant, j'aime la communauté sur Facebook.
j'arrive pas à effacer le message qu'il y a là. C'est quoi, c'est pas comment on efface ça. Il y a un message pour les plus fins, mais pour la fin. Désolé, je vous mets sur l'intérieur. Les amis, pas de mon début, ce sera un je disais, faut que je télécharge la vidéo, faut que je m'occupe un petit peu des sites, je partage la vidéo sur les sites, justement, faut que je fasse venir les personnes sur Twitch. Ça fait du travail. Désolé, le son était un peu fort. Et puis j'apprends à me servir d'OBS. J'étais avec Streamlabs, j'étais avec Gamecaster, maintenant je suis avec OBS. Facebook ne veut toujours pas de mes vidéos, mes partages. Ils me bloquent de partout, je suis pas le seul sur Facebook en ce moment. Faut que je télécharge la vidéo, faut que je m'occupe du partage. J'ai passé du temps, mine de rien. Sinon, on se revoit demain normalement. Demain, c'est deux jours qu'on est ensemble. On a fait quelques bonnes choses, hein, c'est ce que je disais là. Il y avait la musique qui était un peu forte. On l'a vraiment de la pub. C'est ce truc à s'occuper. Hein. On voit des bons lives sur internet, mais les mecs ils sont jamais tout seuls, hein, t'imagines bien. Ils ont toute une équipe derrière. Moi pour l'instant je suis tout seul, c'est un peu galère. Comme je disais, j'aime bien faire les pronostics, chercher les. Mais il faut que je m'occupe de plein de trucs à côté, puis ça me prend du temps. Ça occupe l'esprit, puis ben, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Quoi. Donc, j'aimerais partager, venir là, puis faire les analyses sur les courses et tout, mais. Je m'occupe de plein de trucs. J'aime vous faire partager aussi. Il y a ça, pas photo, j'aime vous faire partager, mais. Bordel, c'est du travail. On est en train de faire le live, on s'aperçoit que ce truc-là il fait ça, que ce truc-là il fait ça. Moi, je suis pas un fan d'Internet, mais là, il y a vraiment des outils. Hein. Vraiment des outils, c'est incroyable. En bref. Bon, les amis. À demain, normalement, à demain. À demain. Et à vous, les amis. Bye bye.